Nous allons pouvoir ouvrir cette séance de conseil municipal du 30 juin 2020. Nous allons procéder tout d'abord à l'appel des présents. Marcello de la Franca. Présent. Jean Salomé. Pouvoir à Monsieur Dominique Kiewicz. Isabelle Junta. Présent. François Carré. Présent. Brigitte Boquet. Présent. Stanislas Smuraga. Présent. Siam Idina. Présent. Jean-Paul Deroc. Présent. Cécile Goffard. Présent. Vincent Caruso. Pouvoir à Madame Boquet. Daniel Jaworski. Présent. Daniel Lambert. Présent. Bernard Dominikiewicz. Présent. Christian Herbeau. Pouvoir à Madame Lambert. Luc Morin. Pouvoir à Monsieur Smuraga. Abdelkrim Asnaoui. Présent. Nordine Bricky. Présent. Rekia Ben Mimoun. Présent. Cathy Smith. Présent. Aline Bayard. Présent. Isabelle Machu. Pouvoir à Madame Mars. Christelle Lecomte. Présent. Ingrid Mars. Présent. Karine Bonjour. Présent. Myriam Benoît Lima. Présent. Gauthier Lictevou. Présent. Francis Verbeck. Présent. Odile Cazier. Pouvoir à Monsieur Jarte. Virginie Milzinski. Présent. Vincent Birman. Yvan Jarte. Yasmina Elkourchi. Pouvoir à Monsieur Birman. Vincent Brabant. Présent. Voilà, le quorum est atteint et nous allons pouvoir délibérer valablement. Et donc le secrétariat de séance est confié à Madame Siam Idina. Vous avez reçu le compte-rendu de la séance précédente et nous devons l'adopter. Y a-t-il, avant l'adoption, des remarques sur le compte-rendu de cette séance précédente du 12 juin ? Non, pas de remarques, donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Alors voilà, ce conseil municipal est très largement consacré aux questions financières et donc avec la présentation du rapport d'orientation budgétaire donc, et toutes les délibérations qui suivent naturellement lors de ce type de séance, avec cette particularité cette année d'intégrer dans la même séance le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget, ce qui n'est pas traditionnel, mais les conditions, le contexte actuel nous y a contraint. Donc, je vais laisser la parole à M. Deroc, notre adjoint aux finances, qui va avoir beaucoup de travail aujourd'hui, Jean-Paul. Donc, c'est très concentré à ta délégation. Merci, Monsieur le maire. Bien évidemment, dans le projet de délibération, donc exceptionnellement, ce débat d'orientation budgétaire aura lieu ce soir en même temps que le vote du budget primitif, préalablement à son adoption. Ce débat est destiné à vous éclairer sur les choix budgétaires qui sont traduits dans le budget primitif et ultérieurement sur les éventuelles décisions modificatives. Les objectifs sont d'informer le conseil municipal sur l'évolution de la situation financière de la collectivité, d'apprécier l'environnement socio-économique de notre collectivité et de discuter les orientations budgétaires préfigurant les priorités qui seront intégrées dans notre budget. Donc je vais vous faire un petit balayage du document qui vous a été envoyé, comme nous y sommes obligés. Différents points doivent être abordés. Je vais bien entendu pas vous lire la totalité de ce document, mais passer rapidement sur certains aspects. Je vous donnerai à chaque fois la page sur laquelle je me trouve. Donc le contexte général de la crise sanitaire à la crise économique, pour contextualiser un peu le budget de cette année. Donc, suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont la France, ont été mises à l'arrêt entre fin mars et début mai. Selon les estimations de l'INSEE,
l'économie française aurait fonctionné à environ 35% de la normale durant ce confinement. Après une baisse record du PIB de 5,8% au premier trimestre, la contraction sera encore plus marquée au second trimestre, de l'ordre de moins 20%, puisque ce dernier intégrera un mois et demi de confinement. Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le troisième trimestre enregistrera une forte croissance du PIB, mais le niveau de ce dernier restera très inférieur à celui observé fin 2019. Je vais sauter de chapitre. Donc, par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans de relance à venir, les finances publiques vont souffrir durablement d'un effet de ciseau entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite, voire plus vite pour certaines qu'avant la crise sanitaire, et un montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d'un niveau du PIB qui sera durablement plus faible que ce qu'il n'aurait été sans cette crise. Nous allons passer à page 6 dans le contexte des finances locales. Donc les finances locales en 2019. On va directement attaquer le bloc communal, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement. En 2019, les budgets hors dette des communes et groupements à fiscalité propre, y compris leur budget annexe et corrigé des flux croisés, devraient s'élever à 148 milliards d'euros. Ils représenteraient près de 60% des budgets locaux et 69% sur les seules dépenses d'investissement. En ce qui concerne les communes, on va directement attaquer. Donc, en 2019, à la faveur d'une assiette fiscale dynamique et de dépenses de fonctionnement toujours maîtrisées, l'épargne brute des communes devrait progresser à nouveau sur un rythme élevé, plus 6,5%. Elle soutiendrait la reprise de l'investissement, plus 16,5% en deux ans, dont les dépenses atteindraient un volume de 24,5 milliards d'euros. L'endettement des communes resterait limité en dépit d'emprunts qui reporteraient fortement à la baisse. L'évolution de l'encours sera très légèrement positive. Donc je vous passe le tableau. Les recettes de fonctionnement des communes devraient progresser en 2019 sur un rythme modéré de plus 1%, quoique plus rapide qu'en 2018, qui était fixé à 0,5%. Cette croissance serait due principalement à l'évolution des recettes fiscales, deux tiers des recettes fiscales de fonctionnement, soit 56,6 milliards d'euros. On va passer directement à la page 8 avec l'impact attendu de la crise sanitaire sur les finances locales en 2020. L'arrêt quasi total de la France pendant plusieurs mois a privé les collectivités d'une partie de leurs recettes tarifaires. Stationnement payant, ce qui n'est pas notre cas, mais entrée d'équipements culturels et sportifs, des bases de loisirs, des campings municipaux. Donc là, on est moins concerné que d'autres communes touristiques. De nombreux services publics locaux sont concernés. Par contre, là, nous sommes vraiment impactés. La restauration scolaire, les crèches, les centres de loisirs, les équipements sportifs et culturels. En 2018, la catégorie comptable des ventes de biens et produits des services, dans laquelle figurent les recettes tarifaires, représentait 9 milliards d'euros pour les communes et 8 milliards pour les intercommunalités. Le confinement et la mise en œuvre progressive du déconfinement auront donc des conséquences sur les budgets des communes et des intercommunalités, dont les pertes seront évaluées à près de 3,2 milliards d'euros pour 2020, selon les dernières estimations. Bon. Les lois de finances 2020, page 9. La loi de finances du 2020 du 28 décembre 2019. Pour rappel, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixait une série d'objectifs, mais ça c'était avant le Covid, et confirmait que les collectivités allaient devoir composer avec un cadre budgétaire de plus en plus encadré. Ce cadre concernait donc le désendettement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui étaient à l'origine fixées à plus 1,2% par an et le plafond de capacité de désendettement. En ce qui concerne les communes et EPCI et fiscalité propre, il était fixé à 12 ans. En ce qui nous concerne, donc pour nous, le maximum autorisé était donc de 12 ans. Les principales mesures issues de la loi de finances 2020 concernant les collectivités locales. La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des foyers fiscaux d'ici 2023. À partir de 2021, les communes percevront en compensation de leurs pertes de recettes le produit du foncier bâti des départements. La suppression de la taxe d'habitation.
La suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales est mise en œuvre progressivement entre 2020 et 2023. À l'heure actuelle, 80% des foyers fiscaux ne payeront plus la taxe d'habitation en 2020. Pour les 20% des ménages restants, l'allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale. La disparition de cette taxe d'habitation sera compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, aux communes, avec l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur pour neutraliser les écarts de compensation. Donc, ça a été présenté dans le document, toutes ces mesures. Vous avez d'autres mesures qui intéressent les collectivités locales. Je ne vais pas les balayer, sinon c'est la soirée. Page 11, il y a eu une première et une deuxième loi de finances rectificative pour s'adapter à la crise. Donc ces différents ont d'ailleurs modifié les dates de remise des fonds, ont créé des fonds de solidarité, ont modifié certaines règles fiscales. Et nous avons, page 12, un troisième budget rectificatif pour faire face à la crise. Donc les recettes, selon ce troisième budget rectificatif, les recettes des collectivités territoriales devraient diminuer une fois encore de 7,5 milliards d'euros en 2020. Mais des pertes seront compensées, celles qui perdront de l'argent devraient être compensées par l'État. Je dis devrait parce qu'avec l'État, on n'est jamais sûr de rien. Donc une clause de sauvegarde pour les recettes du bloc communal est prévue, qui sera entièrement financée par l'État pour un montant de 750 millions d'euros. C'est-à-dire que si les recettes d'une commune ou d'une intercommunauté sont inférieures à la moyenne de leurs trois derniers budgets, la perte sera intégralement compensée par l'État. Donc ça, c'est quand même des éléments importants qui concerneront plus notre intercommunalité, je pense, que notre commune. Mais les liens entre notre intercommunalité et la commune étant assez forts, c'est des éléments à prendre en compte. Page 13, vous avez une observation sur l'équilibre budgétaire et les dépenses du Covid. Donc, les dépenses spécifiques engagées par les collectivités pour faire face à l'épidémie du Covid-19 seront inscrites dans un compte dédié et certaines de ces dépenses pourront être lissées dans le temps et financées par l'emprunt. Donc, c'est des modalités en cours de négociation avec l'État et les associations d'élus locaux. De nouvelles dispositions devraient être ultérieurement intégrées dans le projet de loi de finances pour 2021. Comme l'ont indiqué à plusieurs reprises les ministres chargés des collectivités territoriales ainsi que ceux des comptes publics, il n'est cependant pas question de revenir sur la réforme de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Page 14, vous avez l'analyse financière, puisque ça fait partie des obligations, c'est quand même un élément important. Donc vous avez l'analyse financière rétrospective 2013-2019. Donc cette analyse financière vise à vous apporter une vision claire et objective de la situation financière de notre ville au regard des 7 dernières années, soit 2013 à 2019. C'est un préalable indispensable pour effectuer une projection avec des perspectives financières à moyen terme, sachant que les ressources financières de collectivités restent toujours aussi incertaines, tant les réformes sont nombreuses, soudaines, puisqu'on a parfois des réformes qui apparaissent, qui changent la donne, et le périmètre des actions assez vaste et qui ont parfois des effets induits sur les dépenses ou les recettes des collectivités, soit sur leur budget. Donc l'analyse sur les produits de fonctionnement. Les produits de fonctionnement sont légèrement moins dynamiques, plus 1,8% par an, que les charges, qui, elles, augmentent en moyenne de 2,3% par an. Vous avez le détail avec des tableaux récapitulatifs. Cette baisse nationale des dotations ne transparaît pas dans les ressources de Montigny en 2014, 2015, 2016 et 2017, des années pour lesquelles on a eu une relative dynamique. Et même les produits sont moins dynamiques depuis la fin de la baisse des dotations. Bon, c'est assez technique, mais il y a des mécanismes de compensation, des augmentations de la DSU, qui font que Montigny a eu, même si on a perdu de mémoire moins 600 000 euros en DGF, on a en fait des dotations qui sont restées, si ce n'est stables, au moins légèrement augmentées, alors que d'autres communes du voisinage perdaient quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas négligeable. La fiscalité directe locale, donc page 15, donc au sein des produits, les impôts et taxes sont légèrement moins dynamiques, un plus 1,5% contre plus 1,8% pour les produits de fonctionnement. Donc leur croissance sont soutenues par la montée en puissance du FPIC, donc le fonds de péréquation intercommunale et communale entre collectivités.
Depuis 2018, l'attribution de compensation versée à la ville par la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin est de 375 000 euros, avec un décalage d'une partie des recettes de 2018 sur 2019. Cette attribution correspond à une garantie figée de ressources communales depuis l'adoption de la fiscalité professionnelle unique sur le territoire intercommunal. À l'occasion de chaque transfert de compétences, un état des lieux des charges nettes transférées est réalisé et cette AC est corrigée en conséquence, ce qui explique le passage de 398 000 euros à 375 000 euros au titre de 2018 et de 2019. Nous allons passer, je ne vais pas vous passer les tableaux, le page 16, vous pouvez constater que l'évolution des taux des taxes n'ont pas évolué depuis 2013. Et on peut passer à la page 17 sur les dotations. Les dotations et participations, c'est le deuxième poste de recettes de notre ville. Donc vous avez le tableau évolutif de ces recettes. La DGF de la ville de Montigny-en-Gouëlle est formée de la dotation forfaitaire, sa dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. L'évolution globale est favorable de 2014 à 2017. Cette dotation forfaitaire des collectivités a été diminuée au titre de la participation des collectivités au redressement des finances publiques. À ce titre, chaque année, les collectivités ont perçu un montant en diminution par rapport à l'année précédente. Dans notre cas, la baisse de la dotation forfaitaire atteint 600 000 euros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La commune reçoit depuis 2017, chaque année, 600 000 euros de moins qu'avant l'application de cette mesure. Cependant, Montigny-en-Gouëlle, faisant partie des villes les plus défavorisées du point de vue des recettes fiscales et de sa situation sociale, elle a bénéficié d'une rapide progression de sa DSU, ce qui a plus que compensé la baisse de dotation forfaitaire. Donc, depuis la baisse de la dotation forfaitaire en 2017, la DSU a également été réformée et sa progression nationale est moins forte, limitant ainsi la progression annuelle de la DSU de Montigny-en-Gouëlle à environ 100 000 euros par an, ce qui représente une augmentation beaucoup plus faible qu'auparavant. Enfin, la dernière dotation, la DNP, bénéficie aux communes dont l'effort fiscal est suffisant et membre d'une communauté à richesse fiscale modérée. L'enveloppe nationale est assez limitée et presque stable depuis longtemps, tout en bénéficiant en plus des deux tiers des communes dont le montant limité perçu par Montigny-en-Gouëlle. Les dotations et participations perçues par la ville sont de façon originale relativement dynamiques, plus de 2,2% par an par rapport à ce qui aurait pu être observé en général. En effet, comme je le disais, à la différence des autres communes, Montigny n'a pas eu à supporter de baisse de DGF malgré la diminution des dotations de l'État. La baisse du fonds départemental de TP est par contre classique, puisqu'il s'agit d'un fonds dont le département est chargé d'assurer la répartition et qu'il est financé par une dotation de l'État, laquelle est en forte baisse depuis 2017. Le profil d'évolution des participations d'État au titre des emplois d'insertion découle de l'évolution des équivalents temps plein sous contrat à Montigny, hausse jusqu'en 2016, puis baisse plus forte avec une diminution des taux de participation de l'État. Vous avez, page 18, le tableau de l'évolution des atténuations de charges. Les produits de services, qui représentent 2,70% des recettes réelles de fonctionnement, toujours page 18. Les charges de fonctionnement, l'évolution vous a été fournie page 19. Les charges de fonctionnement sont un peu plus dynamiques que dans d'autres collectivités. Elles ont augmenté de 2,3% par an entre 2013 et 2019 ou de plus de 2,1% par an entre 2013 et 2018. Sur un échantillon de 39 communes comparables, vous avez ensuite un tableau qui classe Montigny selon ses critères. L'évolution des charges à caractère général, une fois mentionné les postes ci-dessus, évolue en moyenne de plus 1,4% par an avec moins de fluctuations extrêmes. Elle représente pour l'année 2019 31,11% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont en hausse de 5,87% à l'année 2018. Bon, vous avez les explications des différents postes d'augmentation, je ne vais pas vous les reprendre, vous les avez eues dans le document. Les charges de personnel. Alors là aussi, vous avez page 20, l'évolution des charges de personnel. Elles représentent 60,91% des dépenses réelles de fonctionnement et elles ont augmenté de 2,31% en 2019. L'effectif communal est de 200 agents au 31 décembre 2019, se décomposant de la façon suivante, 147 titulaires, 42 agents non titulaires, 11 emplois aidés. Vous avez l'évolution des autres charges de gestion courante, page 21.
On peut remarquer que le versement annuel depuis 2016 d'une subvention à la résidence autonomie Benoît Fachon par le CCAS, laquelle est prise en charge par le budget principal de la commune, cette dépense est assurée à budget quasi constant pour la ville depuis 2013, soit 349 000 euros contre 444 000 euros quand la subvention du CCAS avait été réduite en 2014. L'annuité de la dette. Donc page 21, vous avez le montant de l'annuité de la dette qui vous est détaillé. Au titre de l'année 2019, l'annuité de la dette est de 268 742 euros, composée de 214 318 de remboursement en capital et de 54 524 euros d'intérêt. La chaîne de l'épargne, donc vous avez, page 22, l'excédent brut courant et l'épargne nette, qui sont des éléments importants dans pour prévoir le budget qui nous ont permis d'établir les prévisions sur les années à venir, ainsi que page 23, un tableau qui vous fait varier l'épargne nette. Donc depuis 2013, la situation financière de la ville est globalement stabilisée, avec un peu moins d'un million d'euros par an d'épargne nette, c'est-à-dire d'autofinancement dégagé chaque année par la ville pour autofinancer ses investissements une fois payées les échéances annuelles de ses emprunts. Après un fléchissement en 2014 et 2015, la reconstitution des marges d'épargne a conduit Montignan-Gohel à dégager plus de 1 million d'euros d'épargne nette en 2018. Cette épargne nette correspond à la capacité d'autofinancement des investissements de la ville après paiement des annuités d'emprunt. L'épargne nette a un peu fléchi en 2019. En 2018, l'épargne nette de Montigny était à peu près égale à la moyenne en termes d'épargne nette de communes de l'échantillon qui est repris dans la page suivante et vous avez pu le constater. La moyenne française des 373 communes de 10 000 à 15 000 habitants était de 103 euros, donc légèrement inférieure. Page 25, l'encours de la dette et la capacité de désendettement. Alors, l'endettement est globalement en diminution entre 2013 et 2019, après avoir ponctuellement progressé en 2014. Le niveau d'épargne brute dégagé a toujours assuré une excellente capacité de Montignan-Gohel à assurer ses échéances de dette. La capacité de désendettement, c'est-à-dire l'encours par rapport à l'épargne brute, est toujours inférieure à 3 années, le maximum étant de 10 ou 12 selon les critères retenus par l'État. Donc on est largement inférieur à ce ratio. La capacité d'une collectivité à assurer ses échéances de dette est en effet indissociable des marges de l'épargne que la commune parvient à dégager chaque année. Entre 2013 et 2014, le léger réendettement observé associé au fléchissement de l'épargne brute a conduit la capacité de désendettement à se détériorer très légèrement. La capacité de désendettement de la commune est aujourd'hui, en 2019, à un niveau aussi bon qu'au début de la période étudiée. Vous avez, page 26, les emprunts. Donc nous avons 5 emprunts en cours. Vous avez les montants empruntés ainsi que les échéances et leurs termes. Et vous avez un tableau donc de la capacité, qui est l'élément important, de la page 26, de la capacité de désendettement, c'est-à-dire l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute, et qui passe de 1,7 en 2013 à 1,5 en 2019. Il faut préciser que la capacité de désendettement est l'un des rares indicateurs permettant de comparer des communes entre elles. Le niveau d'endettement de Montignan-Gohel est à ce titre excellent en comparaison des autres villes de l'échantillon. On est troisième meilleur niveau. Montigny est en 51e position des 373 communes françaises de 10 000 à 15 000 habitants. Donc c'est effectivement un élément important parce que selon la richesse de la ville, le niveau d'endettement, si on a 5 millions d'endettement, si on a un budget de 20 millions, ce n'est pas la même chose que si on a 5 millions d'endettement, si on a des recettes de 50 ou 100 millions. Donc c'est quand même un élément important à prendre en compte dans la gestion de la commune. Page 27, vous avez les montants d'investissement. Donc, après une montée en puissance entre 2013 et 2015, des investissements dans la structure multi-accueil et les maisons de quartier, nous avons fait une légère pause puisque les investissements ont diminué ensuite en deux temps, 2016-2017, puis 2018-2019, pour se stabiliser à 1,8 million et 2,2 millions d'investissements en moyenne.
Les investissements hors dette ont cumulé à 3,9 millions en 2015. Vous avez donc les principales opérations d'équipement réalisées durant cette période, donc l'aire de jeu, lac et plaine du Sept, les toitures du Trianon, le nouveau plan de circulation, les reprises de concessions, création du parking rue Neuve, le traitement de la piscine, parking rue Houssin, la vidéosurveillance, l'agent d'accessibilité, les travaux Ferry Sévigné. Vous avez ensuite l'évolution, page 28, des recettes d'investissement, donc de 2013 à 2019, donc, qui sont décomposées sur les amendes de police, mais enfin c'est assez marginal. Le FCTVA, la taxe locale, les cessions, les emprunts, les excédents de fonctionnement capitalisés, ainsi que les subventions. Le FCTVA, donc c'est une dotation qui est destinée à rembourser une partie des dépenses de TVA supportées par les dépenses réelles d'investissement. Il est toujours versé avec un décalage de 2 ans, donc vous avez l'évolution de leur montant. Page 29, vous avez l'emprunt d'équilibre. Donc Montigny a emprunté en 2013 et 2014 pour réaliser des investissements. Donc ces investissements en structure multi-accueil et les maisons de quartier. Depuis 2017, les dépenses totales et recettes totales sont très proches avec une présence forte de l'épargne permettant d'autofinancer nos investissements. Le résultat de la section de fonctionnement pour 2019, il s'agit du résultat de l'année 2019, soit un excédent de 813 850 euros, ce qui correspond au solde des recettes et dépenses de fonctionnement de l'exercice, auquel on ajoute le résultat reporté de l'exercice précédent de 2018 d'un montant de 2 083 000 euros. Le résultat de clôture de l'exercice est donc un excédent de fonctionnement de 2 897 733. Le solde d'exécution de la section d'investissement pour 2019, le solde des recettes et dépenses d'investissement de l'année 2019 est de plus 552 000 euros. Ce solde est ajouté au déficit de l'année précédente de moins 400 000 euros. On obtient alors le résultat cumulé qui est de 152 700 euros. La commune aborde donc cet exercice budgétaire 2020 avec une situation budgétaire marquée par un faible endettement et un excédent global de clôture qui nous permet de réaliser des investissements à court terme sans recourir à l'emprunt. Page 29. Vous avez un focus sur un élément important de ce ROB. Donc vous avez une présentation de la structure des effectifs. Donc en 2013, nous avions 145 titulaires, 30 non-titulaires, 40 emplois aidés et pas d'emploi contrat d'apprentissage, soit un total de 215 personnes. En 2019, nous étions à 146 titulaires, 28 agents non titulaires, 13 emplois aidés et 0, on n'a eu qu'un contrat d'apprentissage en 2018. Vous avez les évolutions, les variations. Vous avez également, page 30, la répartition des effectifs donc, entre titulaires. Donc, nous avons, en 2019, je ne vais pas vous faire la lecture complète, donc en 2019, nous avions 131 titulaires, 27 agents non titulaires, 11 emplois aidés et 0,10 contrats d'apprentissage, c'est les moyennes. L'évolution donc, entre 2013 et 2019 est de plus 0,69% pour les titulaires, moins 6,66% pour les agents non titulaires, moins 67,50% pour les emplois aidés, ce qui fait un total en moyenne de moins 13%. Vous avez une répartition en 2013 entre fonctionnaires et non fonctionnaires. Donc nous avions 67% de fonctionnaires en 2013 et 32,56% de non fonctionnaires. En 2019, la part des fonctionnaires a quand même sensiblement augmenté. Nous sommes à 78,08% de fonctionnaires contre 21,92% de non fonctionnaires. La répartition, vous avez la page 31, donc la répartition par catégorie hiérarchique. Donc, en 2019. En 2019, nous avions 7 titulaires en cadre A, 33 titulaires cadre B et 106 titulaires cadre C. Dans les non-titulaires, 1 cadre A, 10 cadre B, 17 cadre C. Les emplois aidés, nous avions 13 cadre C, et ce qui nous fait un total de 8 cadres A, 43 cadres B et 136 cadres C. Vous avez la répartition des pourcentages. Donc, page 32, excusez-moi.
Donc, vous avez également la répartition des effectifs par sexe et par modalité d'exercice du temps de travail. Bon, ça, je ne vais pas non plus le détailler. Vous avez la pyramide des âges qui vous a été présentée avec la séparation homme-femme. La moyenne d'âge est en augmentation, 47% en 2019 contre 45,5 ans en 2018. Le pourcentage des agents appartenant à la tranche d'âge 50-59 ans baisse légèrement, 32,64 contre 34,72 en 2018. Et en conséquence, le pourcentage d'agents appartenant à la tranche d'âge 60 à 64 ans passe de 9,7 à 11,11%. Vous avez page 13. Un tableau représentant l'évolution de l'absentéisme chez les titulaires. L'absentéisme global des agents titulaires est passé de 11,92 à 12,04% en 2019, soit une hausse de 0,12% par rapport à 2018, ce qui est quand même assez faible. L'absentéisme au titre de la longue maladie longue durée, est en hausse, plus 0,28, ce qui représente quand même 257 jours supplémentaires d'arrêt. Mais bon, il suffit d'avoir un agent qui passe en longue maladie, vous prenez 220 jours d'arrêt dans l'année. Donc, on ne maîtrise pas les agents. Les jours d'arrêt pour accident de service a cependant baissé. Nous sommes à 124 jours, soit au moins 78 jours par rapport à 2018. L'absentéisme tout statut confondu, l'absentéisme global de tous les agents de la collectivité est en baisse et est de 10,35 contre 11,89% en 2018, soit une baisse de moins 1,54 points. Cela représente l'équivalent de 19 agents absents toute l'année. Mais c'est aussi des chiffres qui sont relativement cohérents avec les communes voisines. Les dépenses de personnel, toujours page 34, vous avez la dépense globale des RH en 2019 était de 7 072 000, les recettes globales étaient de 455 000 euros et la masse salariale de 6 616 554 euros, ce qui représente 58,24% de nos dépenses de fonctionnement. La répartition de la masse salariale, vous la trouvez page 35. Donc l'évolution des dépenses de 2013 à 2019 est de plus 10% pour les titulaires, plus 98% pour les agents non titulaires et plus 39% pour les emplois aidés. Et si on fait l'analyse entre 2018 et 2019, nous avons plus 3,71% pour les titulaires, plus 53% pour les agents non titulaires et moins 15% pour les emplois aidés. Donc, nous avons aussi un focus à vous faire sur les rémunérations. Donc, page 35, toujours. Les titulaires de la fonction publique territoriale, à temps complet et à temps non complet, les traitements indiciaires représentaient 2 991 614 euros. Les contractuels de droit public, 606 537,98 euros. Les contrats aidés, en 211 329 pour les titulaires et 8 565 pour les contractuels. Enfin, vous trouvez ces chiffres, page 35. Page 36. Concernant les titulaires, le TPT, passe de 129,77 en 2018 à 131,2 en 2019. C'est dû en principe à l'intégration dans la fonction publique territoriale d'agents qui étaient non titulaires et qui ont été intégrés, et ça impacte inévitablement la masse salariale. L'impact du PPCR, c'est le parcours professionnel, carrière et rémunération, au 1er janvier 2019, c'est le coût du reclassement, charges comprises, était de 15 808 euros. Les avancements d'échelon, comme vous le savez, c'est des avancements qui se font pour les fonctionnaires, donc représentent une hausse de 26 421 euros. Les avancements de grade, avec effet au 1er octobre 2019, soit 25 agents concernés, et liés aux promotions internes, avec effet au 1er décembre 2019, 4 agents représentent un coût de 9 220 euros. Concernant les agents contractuels de droit public, les dépenses liées aux contractuels recrutés par la collectivité en 2018 étaient d'1 125 000, en 2019 1 105 000. Les dépenses liées au personnel extérieur, y compris les guzos, le guzo étant le guichet unique pour le spectacle occasionnel,
Bon, là, ça passe de 9 020 à 34 730, mais nous avons eu plus d'activité en 2019. Et les dépenses totales passent donc d'un 1 134 409 à 1 540 378. Il est à souligner, page 37, que la commune n'attribue aucun avantage en nature. Page 37, tout le temps. Là, alors vous avez un focus, puisque le temps de travail est un élément qui revient régulièrement dans ces différentes... organismes extérieurs. Donc, la durée du temps de travail d'un agent à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, excepté pour les agents annualisés, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ATSEM et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Donc, chaque agent bénéficie également de 25 jours de congé annuel et de 2 jours de fonctionnement, sous réserve, bien évidemment, que ces conditions de fonctionnement soient remplies. À cela s'ajoutent 5 jours supplémentaires pour l'année 2019, le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension, par exemple, ainsi que la journée du 24 décembre, la journée du 31 décembre, et ainsi que 2 jours supplémentaires. Vous avez ensuite le calcul des heures. On arrive, page 42, à les tendances budgétaires, donc ce qui est quand même plus intéressant pour les perspectives et la prospective qui nous intéresse. Donc, vous avez les recettes de fonctionnement qui ont été recalculées par un cabinet qui nous aide donc à établir ce document et qui nous aide à entamer la réflexion sur les évolutions du budget et les ressources dans lesquelles nous allons bénéficier et qui nous permet de prévoir nos opérations et de savoir où on va pour ne pas se retrouver coincé, pouvoir bénéficier du maximum de financement, d'opportunités sur les investissements à réaliser. Donc, vous avez page 39, le détail de ces calculs avec les évolutions donc en euros des bases nettes d'imposition et ainsi que les produits attendus. Donc, jusqu'en 2019, la réforme de la taxe d'habitation est neutre, mais à partir de 2021, le restant de la taxe d'habitation des résidences principales, encore payée par 20% des contribuables, devient une ressource de l'État. La ville de Montigny subira donc une réforme fiscale. On va passer l'aspect technique qui vous est détaillé dans les pages suivantes pour aller directement à page 42, où on arrive sur les calculs des dépenses de fonctionnement. Donc, la loi de programmation des finances publiques de 2018-2022 avait proposé un objectif national de maîtrise de la progression des dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales de plus 1,2% par an. Le but sous-jacent de cet objectif était de parvenir à un désendettement massif des collectivités locales à l'horizon 2022, avec une baisse de la dette globale des collectivités de 45 milliards d'euros sur environ 200, c'est-à-dire il fallait y faire une économie de moins 25% sur la dette publique locale. Cependant, la crise sanitaire que nous connaissons actuellement a conduit l'État à suspendre cet objectif, ainsi que d'autres d'ailleurs, pour l'année 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid. La commune se doit malgré tout de maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Cela permet à la commune de conserver un niveau d'épargne favorable à l'engagement et à la poursuite de notre politique d'équipement. Donc, vous avez, page 42, le tableau qui a été réalisé selon ces hypothèses. Les charges de fonctionnement pour 2020. Avant toute chose, il est à noter que certaines dépenses ont été nécessaires à la gestion de la crise liée au Covid-19. Elles sont détaillées ensuite. L'évolution effective sur le premier trimestre 2020 et prévisionnelle sur le second semestre des principaux postes de dépenses vous est présentée par la suite. La masse salariale, page 43, la masse salariale demeure bien entendu le poste de dépenses structurellement le plus élevé du budget de fonctionnement de notre collectivité, mais c'est le reflet de notre volonté communale d'équiper la ville d'équipements de qualité avec un personnel de qualité, et nous mettons donc les moyens humains au service de notre population. Il est prévisible que ce chapitre enregistre une hausse qui s'expliquera par les recrutements opérés fin 2019 et tout début 2020 sur de nouvelles missions,
par exemple une directrice du centre social, un coordinateur PRE, ainsi que ceux prévus au second semestre, par exemple les référents famille, un référent famille chargé de l'accueil pour le centre social, les gestionnaires du domaine public au service technique. Nous avons également des augmentations externes qui nous sont imposées par l'État, donc l'évolution des taux d'assurance du personnel, la mise en place de certaines actions suite à l'étude qui a été faite et sur la prévention des risques psychosociaux. Comme les années précédentes, nous avons le glissement vieillesse technicité qui correspond à la variation de la masse salariale à effectif constant. Nous avons également de nouvelles dépenses liées au rachat, enfin aux achats plutôt, de masques, de produits, de matériel d'hygiène, d'équipements de distanciation physique qui ont été nécessaires afin de garantir la sécurité sanitaire de nos agents, des administrés et de nos partenaires, tels ceux les partenaires de l'éducation nationale. Il est fortement probable qu'une partie de ces dépenses se renouvelle au cours du second semestre. Nous ferons d'ailleurs un point, je pense, en septembre pour voir quel est le montant et comment ces dépenses auront évolué pour les intégrer dans nos budgets, dans nos prévisions. Le budget général alloué aux associations est stabilisé entre 2019 et 2020. L'enveloppe budgétaire affectée aux subventions n'est pas revue à la baisse. Nous ne voulons pas fragiliser les structures ni dégrader notre tissu associatif, très important sur notre commune, tant en nombre qu'en qualité. La subvention du CCAS a, elle, augmenté de 16,7%. Cela s'explique d'une part par la mise en place d'un nouveau service de transport à destination des personnes âgées et ou porteuses de handicap, ainsi que le lancement d'un programme de réussite éducative sur le territoire. Les frais financiers de notre commune restent très modestes. La prévision 2020 s'établirait pour les emprunts, y compris les intérêts courts ou non échus, à 47 958 euros contre 58 015 euros en 2019, ce qui représente une baisse de 17,33%. Mais là aussi, c'est relatif. Si nous engageons de nouveaux programmes importants, nous aurons forcément recours à l'emprunt et c'est des chiffres qui évolueront en fonction des choix et du calendrier budgétaire qui nous sera imposé par l'État et selon les choix que nous, élus, ferons de suivre plus ou moins rapidement ces opérations. La capacité de désendettement en 2019 représente 1,5 année et laisse à la collectivité une marge de manœuvre pour nous permettre de contracter des emprunts en fonction des projets qui seront actés, principalement dans la mise en œuvre dans la rue et dans le cadre de notre programme municipal. La section d'investissement, page 43, donc vous avez les recettes d'investissement qui ont été également calculées, enfin prévues. Donc, concernant la taxe d'aménagement, l'ex-taxe locale d'équipement, la prévision pour 2020 est de 50 000 euros. Elle se justifie une fois de plus par la situation de crise, ainsi que le net ralentissement des transactions immobilières au cours de ce premier semestre. Voilà. Les opérations courantes d'équipement sont supposées subventionnées pour l'année 2020 à hauteur de 60 000 euros. Dans ce contexte d'incertitude forte, nous restons fidèles à nos principes de prudence, c'est-à-dire que nous minimisons les subventions attendues, nous n'inscrivons que les subventions sur lesquelles nous sommes sûrs. Nous avons déjà par le passé plusieurs fois eu des opérations qui étaient annoncées subventionnées à tel niveau et qui au final l'ont été beaucoup moins, que ce soit de la part de l'État ou de la part de la région ou d'autres organismes. Les dépenses d'investissement. Donc, les dépenses d'équipement sont estimées à l'état actuel du ROB à 3,6 millions pour 2020. Elles correspondent d'une part au reste à réaliser des opérations programmées et engagées les années antérieures, ainsi que de nouvelles propositions inscrites cette année dans le budget 2020 et aux investissements courants d'équipement. Les années suivantes, l'hypothèse qui a été retenue dans les perspectives qui vous a été présentée. Donc, les années suivantes, les dépenses totales sont fixées par hypothèse à 2 millions, avec des dépenses d'investissement courant estimées à 1 million par an, et ce, conformément aux moyennes passées constatées, et ainsi que des grosses opérations proposées à 1 million d'euros. Dans la prospective page 46, c'est sur ces bases qu'elles ont été établies. Les investissements engagés les années précédentes, donc vous avez, qui restent à réaliser, qui seront inscrits donc au budget, vous avez l'opération création de l'accès à cimetière, le nouveau plan de circulation, les reprises de concessions, la création d'un parking rue Neuve, le traitement de l'air de la piscine, le parking de la rue Oussin, la vidéoprotection, l'agenda accessibilité, la DAP,
pour les sanitaires et colferies et différents équipements qui seront à prévoir dans le cadre du mandat, les aménagements des berges du lac, la rénovation du centre culturel, le complexe multi-activité, les travaux Ferry-Sévigné où il n'y a quasiment plus grand-chose. D'autres investissements sont également envisagés, donc en grande partie des études, parce que comme nous faisons le budget fin juin, le temps que ça se mette en place et que nous lançons les consultations au niveau des investissements, on arrivera très vite à la fin de l'année, donc il est inutile de prévoir des choses qui ne seront pas réalisables. Si on lance une opération d'appel d'offres, il est très peu probable que nous puissions la réaliser d'ici la fin de l'année. Donc les opérations qui sont prévues, donc la construction d'un préau à l'école Casanova, la réalisation des cuisines satellites parce qu'ils sont nécessaires, la création d'un parking rue Pasteur, la création d'un parking rue Évrard, l'aménagement de la plaine du Sept, l'Enru, la ZAC des Deux-Villes, le début des études, parce qu'évidemment ce n'est pas le montant qui vous est indiqué là, qui correspond aux dépenses que nous allons, qui nous seront amenés à engager sur, concernant cette opération en rue, la rénovation des toitures de la médiathèque, ainsi que la réfection des voiries de la rue Normandie-Niémen, qui, elle, si mes souvenirs sont bons, devrait débuter incessamment sous peu, si j'ai bien lu ce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Page 46, en ce qui concerne la dette et l'excédent global de clôture. Les emprunts, l'hypothèse des emprunts nouveaux sont basées sur un taux de 9,5% sur une durée de 20 ans. Et donc, vous avez le résultat prospectif. Donc, en fonction des hypothèses envisagées, l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute peut descendre assez rapidement, puisque si nous sommes à 1,5 en 2019 et 1,9 en 2020, si nous empruntons, on arrivera assez rapidement à un ratio de 7, qui est loin d'être catastrophique, mais qui sera à surveiller pour garder des finances saines. Mais il n'y a aucune raison que nous engagions des opérations et que ce soit nos générations, puisque les opérations qui seront engagées dans le cadre de l'ANRU, dans les grosses opérations, c'est des opérations qui sont prévues pour 30, 40 ou 50 ans. Et donc, il n'y a pas de problème à ce que nous recourions à l'emprunt pour financer ces opérations. Donc le cadre d'évolution des dépenses de fonctionnement retenu malgré l'assouplissement par l'État, nous restons sur un cadre d'évolution prévu de 1% par an, ce qui n'est pas facile à réaliser tout le temps, mais bon, nos services font le maximum pour tenir ces éléments et ces données. Donc on peut constater que malgré la dégradation de l'épargne nette projetée, ce qui est normal, puisque nous investirons de grosses sommes. Cette dégradation permet quand même de financer 1 million de grosses réparations, enfin 1 million de, j'en veux, mais grosses réparations, 1 million de grosses opérations nouvelles chaque année, en plus de notre investissement prévu dans le programme de renouvellement urbain. Cette dégradation, comme je le disais, est contenue. La capacité de la commune donc reste raisonnable à 7,6 années en 2026. Comme je vous le disais en préliminaire à mon propos, l'État imposant un plafond de 12 ans pour les communes et les EPCI, nous en sommes loin. Par contre, je vous rappelle, et nous le sommes, il est essentiel d'être très prudent et d'avoir à l'esprit que ce volume d'investissement proposé n'est possible qu'en respectant les hypothèses évoquées de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Si les dépenses de fonctionnement s'envolent, ça joue d'autant plus sur notre capacité d'investissement. Donc, si la commune doit arbitrer au profit de nouvelles dépenses de fonctionnement qui induisent une progression plus forte de fonctionnement, sans raison, comme je viens de vous le dire, au prix d'une remise en cause de cette capacité d'investissement envisagée. Je vous remercie, chers collègues, pour la lecture de ce document assez long, mais également assez instructif et qui vous apporte les éléments du passé et des hypothèses sur lesquelles nous travaillons pour aller dans le futur. Pour savoir d'où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, nous avons fait faire ce travail. Je pense que c'est un travail assez complet. On peut remercier nos services qui nous ont beaucoup aidés dans ce travail. Voilà. Merci, Monsieur De Roc. Et je précise également que... Je précise également... donc, je répète, merci, Monsieur De Roc, et je précise également que ce rapport d'orientation budgétaire a été remanié par rapport à ce qui aurait pu être s'il avait été présenté sans crise sanitaire dans les délais habituels. Alors, y a-t-il des interventions ?
Monsieur Brabant. Et ensuite, Monsieur Biermann. Monsieur le maire, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, que retiendrons-nous du rapport d'orientation budgétaire de l'année 2020 de la ville de Montignan-Gouvelle? Tout d'abord, des approximations et des omissions sur le contexte général. Le rapport s'attarde sur les effets de la crise sanitaire et économique et sur les différentes lois de finances votées par le gouvernement. Très bien. Mais il omet surtout de citer quelques chiffres évocateurs sur la situation de Montignan-Gouvelle, qui aurait pu mettre en lumière ces déséquilibres. Montignan-Gouvelle, c'est 10 258 habitants, mais aussi 25% de sa population active qui est au chômage. C'est 3 fois le taux de la moyenne nationale, et ce taux de chômage culmine à plus de 50% pour les jeunes de moins de 25 ans. Seulement 30% de la population de Montigny paye ses impôts sur le revenu. Au niveau national, c'est 44%. Le pourcentage des logements sociaux sur le parc urbain de la commune est de 40%. C'est donc 1 800 logements sociaux pour 4 200 habitations au total. Nous avons donc un taux de 15 points supérieur à ce que recommande la loi française. Le revenu médian par habitant est d'environ 16 500 euros, alors qu'il est de 20 150 euros au niveau national. C'est presque 25% de moins qu'au niveau national. Pourquoi ces chiffres, pourtant essentiels, ne figurent-ils pas au rapport? Sur l'analyse financière rétrospective 2013-2019, ensuite, à partir de ces chiffres que je viens de vous donner, quel bilan pouvons-nous tirer de la précédente mandature? Premier enseignement, l'État a tenu ses engagements. Nous avons entendu pendant près de 6 années des élus communistes larmoyant constamment sur la baisse des dotations de l'État. Il n'en est rien. L'État compense toujours finalement au moyen de la dotation de solidarité urbaine pour celles et ceux qui ne peuvent pas payer d'impôts directs pour alimenter les recettes de la commune. Et cette DSU est passée de 2,1 millions d'euros en 2013 à 3,4 millions d'euros en 2019. Ce qui veut dire que la population s'est globalement appauvrie et que l'État a toujours compensé les pertes de recettes fiscales, quel que soit le gouvernement en place entre 2013 et 2019. De celui des premiers ministres Jean-Marc Ayrault, en passant par Manuel Valls et sans oublier Édouard Philippe. Deuxième enseignement. Le rapport mentionne que les finances sont saines. Ce serait un comble au regard du déficit des sous-investissements chroniques sur la commune. La capacité de désendettement est forte, nous dit-on, estimée à 1,5 annuité en 2019. Forcément, la municipalité n'a effectué aucun emprunt depuis 2014. Mais une commune qui ne fait pas d'emprunt est aussi une commune qui ne croit pas en son avenir. Troisième enseignement, la capacité d'autofinancement de la commune oscille en permanence entre 1 et 1,2 millions d'euros suivant les années entre 2013 et 2019. Il est vrai que lorsqu'une collectivité construit un budget primitif, elle surestime toujours les dépenses et elle ne surestime jamais les recettes. Mais nous arrivons à la situation ubuesque où la ville se retrouve avec un excédent budgétaire de 3 millions d'euros en 2019. Malgré la fermeture de la caisse d'épargne, l'écureuil rapportait des noisettes. Dernier point, sur la fiscalité, le rapport nous indique qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts locaux à Montigny-en-Gouëlle sur la mandature précédente 2014-2020 et que le taux d'imposition est relativement bas. Mais de toute façon, à quoi cela servirait-il d'augmenter les impôts puisque la municipalité n'a même pas été en capacité de dépenser l'argent collecté? Et précisons tout de même qu'en matière de fiscalité, le rapport que vous avez présenté indique que la disparition de la taxe d'habitation sera compensée par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties aux communes avec l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur pour neutraliser les écarts de compensation. Donc oui, Montigny-en-Gouëlle est clairement concerné par cette mesure. En effet, la taxe d'habitation perdue sur 2020-2023 n'est pas égale au foncier bâti départemental récupéré. Voilà pourquoi cela nécessite d'appliquer un coefficient correcteur et que les impôts fonciers vont augmenter quand même pour les propriétaires de logements à Montigny sur la mandature 2020-2026. À quelle belle contradiction pour la majorité en place de nous vendre une absence d'augmentation d'impôts. En définitive, ce rapport démontre clairement un sous-investissement chronique et une absence de projet phare qui permettrait à la population de rattraper son retard par rapport à la moyenne nationale dans bien des secteurs que j'ai cités. Sur les tendances budgétaires 2020-2026, ce qui frappe, c'est surtout l'absence de fil conducteur parmi les dépenses envisagées sur l'année 2020. Où sont les propositions audacieuses et transgressives qui nous permettraient de relever la tête et de sortir du peloton des communes de plus de 10 000 habitants les plus pauvres de France? Tout est axé sur les travaux et le rattrapage d'un manque d'investissement sur le mandat précédent. C'est clairement le retour du tout béton qui a défiguré la ville.
On assiste à nouveau à une frénésie de parking, de rénovation de toiture. Et il y a aussi la rénovation de la voirie Normandie-Diemen. Enfin, pourrait-on dire sur ce dernier investissement, tant les entreprises de la ville étaient laissées à leur sort pour colmater elles-mêmes les nids de poules. Quelques remarques employées aussi sur la méthode. À aucun moment, il n'est fait état d'un planning d'engagement, d'une contingence mise en place face au risque de certains travaux. Et c'est la même erreur qui est toujours commise par la même équipe et qui aboutit à un excédent budgétaire faramineux qui ne sera en définitive jamais dépensé. La municipalité se projette sur la construction d'un troisième équipement sportif de plusieurs millions d'euros. Mais n'y avait-il pas plus urgent à faire alors que la ville possède déjà le gymnase de l'Aune, le gymnase Billou et un terrain synthétique rénové? Quand allons-nous enfin opérer la transition écologique de la ville en plantant un millier d'arbres et imiter la région qui le préconise? Le Conseil régional a d'ailleurs voté un plan de reboisement d'un million d'arbres pour une région la moins boisée de France. Quand allons-nous enfin traiter de façon définitive le problème du lac et de ses abords pour redonner son lustre à Montigny-en-Goële? La municipalité serait-elle sourde aux résultats des urnes des élections municipales 2020, alors que nous observons une préoccupation écologiste légitime? Les habitants de la ville ont à cœur de vivre dans un cadre sain, agréable et verdoyant. Quand allons-nous avoir un plan de circulation digne de ce nom, qui prenne en compte les attentes des habitants sur le contrôle de la vitesse et la vidéosurveillance de certains accès? Quelle est la réponse apportée, Montigny-nois, suite à la énième nuit de folie vécue du 13 au 14 juin 2020? C'est là, effectivement, que nous nous percevons de la nécessité d'une commission sécurité aux abonnés absentes. Quand allons-nous avoir un développement du centre-ville avec une réintroduction massive de commerces qui nous permettront de consommer en local? Quand allons-nous avoir une vraie politique de développement de l'emploi en partenariat avec la CAQ, la Chambre de commerce et d'industrie et les organismes de formation afférentes? Les subventions et crédits prévus aux orientations budgétaires sont insuffisantes au regard de la situation économique de Montigny-en-Goële. Et enfin, quand allons-nous avoir une discussion sérieuse autour du logement, alors que deux projets importants apparaissent dans le ROB, aménagement de la plaine du Sept et en rue Zac des Deux-Villes, puisqu'il n'existe pas de commission logement, comme vous ne l'avez précisé lors du dernier conseil municipal? En quoi consistent exactement ces projets annoncés dans le ROB? Pourquoi n'avons-nous même pas à disposition le taux de déménagement des personnes sur la commune? Ce sont autant de questions posées en commission qui n'ont jamais eu de réponse ferme à ce jour. C'est donc pourquoi je vous annonce, mesdames et messieurs les élus, que je voterai contre ce débat d'orientation budgétaire. Merci pour votre intervention, monsieur Brabant, longue et souvent imprécise. Le contexte social, je suis heureux que vous le connaissiez. En tant qu'élu communal, si on est élu communal, on se doit à minima, tous ici, de bien connaître ce contexte avant de se retrouver élu. Une autre remarque sur l'excédent de budget. Vous confondez l'excédent annuel et l'excédent reportés, qui sont en fait nos économies. Comme vous faites, c'est quand vous voulez engager des investissements, vous mettez régulièrement de l'argent de côté, et les 3 millions, qui sont d'ailleurs plus près de 3,5 que de 3, sont des cumuls d'années précédentes. C'est de l'argent qu'on a de côté. C'est pas sur un exercice qu'on a économisé 3 millions. Donc, une autre erreur. Vous parlez de déficit, alors que vous devriez parler de dette. Quand on emprunte, c'est pas un déficit, c'est une dette. Et qui est d'ailleurs, je me souviens que lors du début du mandat précédent, quand nous avons emprunté pour nos équipements, parce qu'on n'emprunte pas pour le plaisir d'emprunter, on emprunte parce qu'au bon moment, quand il y en a besoin, on nous a dit, mon Dieu, nous allons faire exploser la dette, qui était effectivement déjà contenue et qui est passée à un petit peu plus, et on nous a dit, on va mettre en péril. Et aujourd'hui, on nous dit, vous n'investissez pas. Ben, on investit au moment où il y a un projet. On n'investit pas. Ce n'est pas juste une courbe qui va montrer la dynamique ou pas de dynamique. C'est une courbe qui sera en corrélation avec les projets. Voilà. Et puis, pour l'année 2020, monsieur Brabant, le mandat, il va de 2020 à 2026. Donc
vous nous posez des questions d'engagement qui seront programmées sur une mandature complète et pas sur, sur une seule année. Hein. Et je rappelle quand même que cette année, depuis trois mois, on a vécu un événement que tout le monde a subi et que nous avons été installés officiellement le 26 mai. Voilà. Et que cette année, c'est quand même, on peut considérer quand même une transition, même si vous avez vu quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prévues. Donc voilà pour. Je ne vais pas m'apesantir plus sur. Je fais remarquer qu'une salle supplémentaire serait inutile. C'est que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment leur usage actuel et les difficultés que nous avons à satisfaire toutes les manifestations, les nombreuses manifestations qui ont lieu régulièrement. Et effectivement, on n'a pas besoin de parking parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures à Montigny-en-Goële pour essayer de trouver des solutions aux gens pour leur véhicule. Bon, voilà, c'est un débat. Vous avez donné votre avis. Je vous donne quelques réponses et je propose de donner la parole maintenant à M. Biermann. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2020, année de la fin du précédent mandat et du début d'un nouveau, a une connotation particulière. Il est à la fois un document prospectif sur les années à venir, marquant ainsi les actions du programme de la majorité en place, et donne en tout cas des éléments de base relatifs aux marges d'action des années futures. La crise que nous traversons n'est pas que sanitaire, mais elle est également sociale et économique. Les collectivités territoriales, et plus précisément l'échelon communal, se doivent d'être au plus proche des attentes des habitants. C'est d'autant plus vrai que dans notre commune, les taux de pauvreté et de chômage battent des records. Ces indicateurs ne sont pas propres à Montigny-en-Goële. Ils sont malheureusement les stigmates de décennies de majorité de gauche qui ont sévi dans le bassin minier et qui n'ont jamais su anticiper les besoins de notre territoire et de notre population. Préférant parfois les intérêts particuliers à l'intérêt général qui doit être le moteur de notre action. À travers ce rapport, nous pouvons remarquer plusieurs faits marquants. Le premier, lié à la fiscalité locale, montre que les propriétaires seront les nouvelles vaches à lait de votre mandat. En effet, la part communale de la taxe foncière augmentera entre fin 2019 et 2025 de plus de 14%. Les taux restent constants, les taux communaux restent constants, et les bases nettes d'imposition projetées passeront de 5,6 millions à 6,4 millions d'euros. Le deuxième point, le taux d'absentéisme des agents titulaires qui augmente encore d'1% en 2019, passant de 11,92% à 12,4%. Aucune action forte pour endiguer ce phénomène n'est proposée dans ce rapport. Pour information, cet absentéisme représente l'équivalent de 17 agents absents à temps plein durant toute l'année. Par ailleurs, à travers ce rapport, nous sommes censés retrouver le chiffrage de l'intégralité du programme de la majorité. Alors dites-nous, où est chiffré le plan pluriannuel de rénovation des voiries ? Où est passée l'ambition d'une mutuelle communale ? Où sont passés les projets liés à la vidéosurveillance ainsi qu'au renforcement de la police municipale que nous ne retrouvons pas dans les chiffres ? Où sont donc passées ces belles promesses de campagne qui vous ont conduit à occuper pour un mandat supplémentaire le poste de premier magistrat de la commune ? De plus, qu'en est-il de la redynamisation de la plaine du Sept ? Vous notez une enveloppe de 40 000 euros à court terme, au profit de l'aménagement de celle-ci. C'est une plaisanterie. Ces 40 000 euros représentent l'équivalent en termes d'investissement du parking de la rue Pasteur, rue Evrard et de la rénovation de la toiture de la médiathèque. Un manque d'ambition très clair pour les habitants de la plaine du Sept. Encore une fois, ils seront les grands oubliés à qui vous accordez des miettes. Notre groupe est également surpris de ne rien voir concernant l'aménagement du lac, l'aménagement de pistes cyclables, la redynamisation des commerces. Il ne suffit pas de se transformer en super communicant en publiant quelques photos de travaux et de commerçants sur la page Facebook de la ville pour faire croire que Montigny-en-Goële est la ville qui bouge. Par ailleurs, la ville s'endette fortement sur la durée du mandat, faisant passer
celle-ci de 165 euros par habitant à 725 euros par habitant, ce n'est pas un reproche, mais un endettement, oui, mais pour améliorer le quotidien des habitants, pas pour le plaisir de jouer aux architectes. Bref, ce rapport témoigne de la démagogie faite durant la campagne électorale, mais également d'un manque d'ambition claire de la majorité. Une majorité qui a repris plus ou moins les mêmes, mais reste en roue libre. Aucune ambition écologique, aucune ambition jeunesse, aucune ambition sécurité, aucune ambition pour le lac et la plaine du Sète. Une majorité, nous pensons, loin de la réalité et des attentes de ses habitants. Pour tous ces faits, nous voterons contre l'Europe également. Merci. Merci, Monsieur Biermann, pour votre intervention. Là également, je dirais que vous nous reprochez de ne pas voter le budget du mandat. Je redis ce que j'ai dit un peu à Monsieur Brabant. Vous allez avoir un plan pluriannuel d'investissement. Alors évidemment, je ne vais pas projeter tout sur la crise actuelle, etc. Mais reconnaissez que cette année est très particulière et qu'il faut accuser le coup et bien évaluer les choses pour le programme qui est ambitieux, parce que vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé d'un certain nombre de sujets qui sont dans notre programme et que vous balayez d'un revers de main disant que on n'a pas l'ambition de le faire. En tout cas, si, il est annoncé et on mettra tout en œuvre pour le réaliser. Concernant la taxe foncière ou d'autres taxes, effectivement, nos bases qui sont très basses par rapport à d'autres communes, il faut toujours l'avoir en tête parce qu'on nous reproche le taux, c'est-à-dire le pourcentage d'application, il faut voir et comparer les bases. Nous, on compte aussi, on ne veut pas augmenter les taxes comme on l'a pas fait depuis de nombreuses années, ça remonte même bien avant 2013. Mais il y a aussi, tout à l'heure, M. Brabant parlait de beaucoup de logements sociaux, et c'est vrai, nous avons des logements sociaux, et que nous honorons, nous respectons la loi, contrairement à d'autres communes qui ne la respectent pas, mais je souhaite aussi diversifier l'habitat et le parcours d'habitation sur la commune, et c'est la raison pour laquelle d'autres projets d'habitat vont arriver à Montigny-en-Goële et apporter à terme aussi des recettes fiscales sans aller devoir augmenter les taux parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà, donc voilà, remarque. Vous avez évidemment votre point de vue. Je ne m'attendais pas à un satisfecit complet sur ce rapport d'orientation budgétaire, mais ça aura eu le mérite de pouvoir être échangé les avis sur les questions, et il y a un certain nombre de sujets. Je suis sûr qu'on s'y retrouve, mais il y a besoin de le présenter de manière d'opposition. Je propose maintenant qu'on passe au fait de prendre acte du rapport d'orientation budgétaire, même si le législateur n'a pas prévu une obligation de vote, mais une délibération doit se terminer en principe par un vote. Alors je vous propose d'acter le rapport d'orientation budgétaire je vais demander qui est contre le fait d'acter ce rapport d'orientation budgétaire. Alors, 5, mais avec les pouvoirs, ça fait 7. 7 contre. Qui s'abstient ? Donc, le rapport est acté à 26 voix pour et 7 voix contre. Alors nous allons, je continue, je laisse la parole à
Monsieur de Roc qui va continuer pour le compte de gestion. Bien. Chers collègues, vous avez reçu le compte de gestion qui a été établi par Monsieur Defort, trésorier principal de la commune pour l'exercice 2019. Donc vous avez vu le code général des collectivités, je vais pas ouvrir les articles, considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et suffisamment justifiées. Je vous propose de voter sur ce compte de gestion qui a été établi par monsieur le trésorier principal de la commune. Alors, je mets aux voix. Alors, qui. Est-ce qu'il y a des remarques d'ailleurs? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 7 abstentions. Donc, délibération adoptée sur le compte des gestions à 26 pour et 7 abstentions. Délibération numéro 3. Donc, compte administratif affectation du résultat au budget général. Je vous propose de parcourir rapidement la fiche, le rapport de présentation synthétique du compte administratif 2019 qui vous a été envoyé. Vous avez également reçu le compte administratif, mais en version complète. Donc, je ne vais pas recommencer non plus la longue litanie des chiffres que j'ai fait tout à l'heure. Donc, la section de fonctionnement, donc les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,54% par rapport à celle de 2018. Vous avez dans ce rapport la décomposition par structure de ces dépenses. Les charges, on va prendre les grands chapitres, donc le 011, les charges à caractère général ont augmenté de 5,87% pour un montant total de 3 534 000 euros. Les charges de personnel ont augmenté de 2,31% pour arriver à 7 034 000. Les autres charges, une augmentation de 4,53% pour un montant de 705 000. Les charges financières ont-elles baissé de 12,54%? Soit elle représente donc 54 424 euros. Bon, les charges exceptionnelles, vous avez une variation assez importante, mais on est passé de 21 000 à 32 000, soit une augmentation de 52,86%. Le total de cette augmentation est donc de 3,54% entre le compte administratif 2018 et 2019. Vous avez le montant donc. Des différentes dépenses. Vous avez le montant des subventions aux associations sportives avec le détail. Vous avez classé par grande catégorie. Le CCS, on a une augmentation donc de 9,14% des subventions au CCS. Et cette augmentation est due notamment à l'intégration des crédits de transport versés aux associations de parents d'élèves. C'est pas celle du CSS, c'est en global. Le chapitre 66, bon, on l'a vu tout à l'heure, c'était les annuités de la dette. Vous avez toujours le détail des emprunts au 31-12-2019 avec leurs échéances et toujours représenté donc la capacité des endettements. Les recettes qui ont été là également, qui vous ont été réparties. Par structure. Donc vous avez l'évolution des différentes sources de financement. Donc l'atténuation de charges, nous avons une variation de 35% qui s'explique par des baisses des remboursements d'aménération et de charges sociales pour les maladies. Donc ils ont baissé significativement cette année, l'année dernière, car il n'y avait plus de régularisation des dossiers de l'ancien prestataire, puisque nous avons changé de prestataire l'année dernière. Et certains agences sont également parties à la retraite. Les 70, c'est les produits de services, donc ça représente 2,70% des recettes réelles de fonctionnement. Le chapitre 73, impôts et taxes, donc vous avez le détail. Qui vous est fourni entre le 2018 et 2019. Donc les impôts locaux, fiscalité reversée, étaient de 4 204 000 en 2018 et 4 276 000 en 2019.
Les taux d'imposition sont stables depuis 2009, c'est indiqué 2013, mais c'est même 2009, et les contributions directes progressent donc de 1,2% par rapport à 2018. Le chapitre 74, vous avez le détail des dotations, donc la dotation forfaitaire a diminué, mais la DSU a augmenté de 5,93%, la DNP a baissé de 2,20%. Le chapitre 75, donc les autres produits de gestion courante, les produits de gestion courante sont sensiblement identiques à l'année précédente, donc ils regroupent les loyers des bâtiments, divers remboursements, les avoirs, EDF, les tickets restaurants, etc. En investissement, vous avez le détail des grands chapitres d'investissement. Donc en 2018, en compte administratif 2019, nous étions à un total général de 2 154 874, et avec un report de 839 488. Il vous avait également rappelé les différentes opérations de 2019. On l'a fait tout à l'heure, je ne vais pas vous les relister. Au niveau des recettes, les ressources d'investissement donc, s'élèvent à 2 211 000. Vous avez aussi le détail des principales subventions qui ont été reçues l'année dernière, soit 61 818 pour le traitement de la piscine par le département et 43 000 pour le fonds concours piscine versé par la CAC. Après, vous avez le résultat de clôture. Donc, en fonctionnement, résultat de clôture 2018 était de 3 598 654. La part affectée à l'investissement était de 1 5 million. Le résultat 2019 était donc de 813 000. Au niveau investissement, on avait un déficit d'investissement donc de 400 000 euros avec un report de 292 000 de l'année précédente, ce qui fait que le résultat cumulé de 2019 est de 552 760 euros et le résultat de clôture donc, est de 152 000 en 2019. Y a-t-il des interventions ? Alors, monsieur Biermann et ensuite monsieur Brabant. Oui, merci monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la présentation du compte administratif est toujours l'occasion de regarder en arrière sur ce qui a été fait. Parfois bien éloigné des prévisions et des ambitions affichées, nous pouvons d'ores et déjà dire que la majorité ne veut ni voir ni entendre les réalités sociales de son territoire. Voilà comment apparaît notre commune au regard de ce compte administratif. En effet, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,54% entre le compte administratif 2018 et le compte administratif 2019. Plus précisément, les charges à caractère général ont bondi de 5,87%, portées par une explosion du budget fêtes et cérémonies, plus 36%, catalogue et imprimé, plus 133%. À la lecture de ces chiffres, j'aurais tendance à me dire que les élections municipales n'étaient pas bien loin. Par ailleurs, le poste énergie, électricité et chauffage urbain a explosé de près de 33%. N'est-il pas temps de regarder ce qui fonctionne dans les communes environnantes, telles que Losangoël par exemple ? N'oubliez pas que vous annonciez dans la Voix du Nord que la sécurité et l'environnement seraient vos priorités. En résumé, des dépenses de fonctionnement qui augmentent mais qui ne servent pas les intérêts des habitants. Les recettes augmentent mais moins rapidement que les dépenses, ce qui fait plonger l'épargne brute de 22,5%, passant de 1,5 million en 2018 à 1,1 million d'euros en 2019. La majorité s'autocongratule d'une capacité de désendettement proche de zéro. La vérité est que cet indicateur témoigne de très peu d'investissements ambitieux pour notre commune. Les investissements, parlons-en. Quel aménagement pour le lac ? Quel investissement pour les voiries qui sont dans un état lamentable dans certains quartiers ? Là, j'ai un bug, donc je vais devoir le faire comme ça. Concernant la vidéoprotection, 124 500 euros dépensés. Il est évident que l'investissement est cosmétique et avant tout pour calmer une population en demande constante. Il suffit de voir les problèmes d'insécurité dont est victime notre commune pour constater l'échec et le manque de dynamisme de la majorité sur ce sujet. Le nouveau plan de circulation qui n'a pas été accueilli en grande pompe, c'est 175 905 euros qui auront été dépensés en 2019, dont une partie engloutie par un cabinet d'études extérieures. Par ailleurs, ce projet est symptomatique d'un manque de démocratie directe. En effet,
Il a été décidé en amont, puis les habitants ont été conviés à des réunions de présentation pour être devant le fait accompli. Nous ne blâmerons pas les investissements qui ont été faits concernant les sanitaires de Ferry et nous espérons que vous continuerez sur votre lancée, car nos écoles ont besoin de rénovations majeures. En conclusion, parce que les dépenses de fonctionnement ne répondent en rien aux besoins de nos habitants, parce que les investissements ne sont pas à la hauteur des attentes d'une ville de 10 200 habitants, parce que la majorité préfère jouer aux experts en travaux publics plutôt que de répondre aux besoins locaux, nous voterons contre ce compte administratif 2019 et espérons que celui de 2020 sera en phase avec les promesses pharaoniques de votre campagne. Merci. Monsieur Wehrmann, quelques éléments de réponse. Vous dites qu'effectivement, on abondit en le budget fêtes et cérémonies, il a effectivement augmenté, mais ce n'est pas une augmentation des charges. C'est que de l'année dernière, un certain nombre de nouveaux événements ont été mis en place. La fête de la musique, où il y a une animation qui a été très fréquentée par la population montigny qui est restée très longtemps et dans la nuit pour bénéficier de cet événement qui est une nouvelle prestation qui a été mise en place dans la commune. Les journées pleines nature qui ont été aussi créées, qui ont attiré un certain nombre d'enfants et de jeunes sur le territoire à notre base de loisirs. Les soirées au zen à la piscine et nous avons augmenté la manifestation comme le marché de Noël qui atteint maintenant une renommée assez sympathique et qui attire un monde de plus en plus énorme. En ce qui concerne vos chiffres, vous dites que les dépenses sont explosées. C'est votre avis, mais nos dépenses, d'abord, elles ne peuvent qu'exploser, puisque nous avons... Enfin, non, elles n'explosent pas. Elles sont gérées par nos services et qui sont très attentifs à cela, mais ça dépend d'un tas de choses, comme les conditions climatiques, comme les animations... Enfin, les nouveaux bâtiments que nous mettons en service, et c'est normal que nous avons une utilisation très forte de nos salles, qui fait qu'il y a des choses qui sont plus utilisées, donc des dépenses qui sont plus fortes. Après, on ne va pas rentrer dans le détail de vos chiffres. Si vous voulez avoir le détail des éléments, on ne va pas commencer à chipoter sur ces trucs-là. Mais ça prouve que la ville de Montigny est une ville dynamique avec beaucoup d'animations et beaucoup d'intervenants qui font que nous avons une qualité de vie et d'animation dans notre commune qui est reconnue par les communes voisines. Mais encore faut-il être présent à Montigny pour pouvoir le remarquer. Une petite précision sur le côté avant les élections, après les élections, l'augmentation en fêtes et cérémonies avant les élections, je vous prie de croire, au plan de circulation, on se doutait bien que ce ne serait pas très populaire, mais on a lancé quand même, parce qu'à un moment, il faut avancer sur un certain nombre de sujets, et ce n'est pas d'être avant les élections qui va nous faire arrêter ou démarrer quelque chose. Ce n'est pas dans nos pratiques. Ça, c'était, je voulais quand même le signaler. Et je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Brabant. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, que retenir du compte administratif 2019? Premièrement, de par la délibération présentée, vous demandez un report de 3 millions d'euros d'excédent sur l'exercice 2020. Il ne faut quand même pas exagérer. Je peux tout à fait comprendre que vous ayez besoin de financer des projets de réfection de voirie ou de bâtiments par l'épargne. Mais où est la cohérence quand nous voyons page 13 de ce document? Les dépenses d'investissement suivantes. 39 198 euros de crédit annulé pour l'entretien et la réparation des voiries. 72 435 euros de crédit annulé pour l'entretien et la réparation de bâtiments publics. Nous comprenons donc effectivement que toutes les réflexions de voirie ou de bâtiments ne sont pas réalisées et nécessitent ensuite des investissements plus lourds. Deuxièmement, vous nous expliquez aussi que les travaux du lac sont reportés à plus tard. Quand? Nous ne savons pas. Et nous constatons sur la même page que 61 689 euros de crédits d'études et de recherches sont annulés en 2019, avec toutes les alertes qui ont été remontées sur la prolifération des algues. Concernant l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, vous demandez aussi toujours plus de crédits à l'État pour nous apercevoir, page 16, que vous avez annulé 22 183 euros de crédits. Si vous ne savez pas comment les utiliser, n'hésitez pas à mettre en œuvre le dossier que je vous ai envoyé sur les voisins vigilants pour les questions diverses. J'ai fait une estimation grosse maille à 20 000 euros sur la mandature pour sa mise en place et vous répondrez à l'attente de nos concitoyens qui, eux, ne vous attendent plus pour s'abonner au dispositif. Mais il faut dire que pour eux, c'est gratuit.
La liste est hélas pléthorique et pour conclure, nous pourrons citer l'annulation de crédit d'investissement de 112 158 euros pour les bâtiments scolaires alors que certains ont besoin de réfection urgente. Monsieur le maire, permettez-moi de vous dire qu'il y a du travail dans la gestion générale des finances de la ville. Il faudrait tout remettre à plat et instaurer des méthodes de gouvernance projet qui vous font cruellement défaut. C'est donc pourquoi je vous annonce, mesdames et messieurs les élus, que je voterai contre ce compte administratif 2019. Monsieur Brabant, vraiment sur l'histoire de l'excédent global qu'on se crée sur un exercice, c'est pas du tout ça. C'est l'excédent cumulé global qui est le résultat d'économies qui sont faites depuis plusieurs années, qui vont nous aider à investir. Et vous verrez dans le budget primitif l'usage qui en sera fait. Et peut-être que l'an prochain, vous aurez peut-être eu un autre avis sur la question, mais on va vraiment utiliser les bonnes formulations concernant les excédents budgétaires. Alors, comme il est de coutume, le maire ne pouvant pas participer au vote du compte administratif, je vais proposer d'élire un président pour le vote de cette délibération et je vous propose la désignation de monsieur Smuraga pour cette délibération. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non. Alors, monsieur Smuraga, je vous invite à venir à ma place pendant que je m'absente. Voilà. Eh bien, bonsoir, mes chers collègues. Eh bien, au vu de la présentation magistrale de notre adjoint aux finances, je mets aux voix cette délibération. Tout a été dit. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 26. Par la même occasion, comme je suis vice-doyen, je souhaite un prompt rétablissement à notre doyen, M. Vincent Caruso, qui ne peut pas être là. Voilà. Bon, je pense qu'on peut appeler Monsieur le maire. Merci, chers collègues, pour cette délibération. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 4, le budget primitif, c'est-à-dire les dépenses et les recettes prévisionnelles pour l'année 2020. Chers collègues, là également, je vais vous lire la note de présentation du budget primitif. Donc, ce projet de budget primitif 2020 s'inscrit dans notre cycle annuel budgétaire. Je ne vais pas repartir sur la loi d'urgence du 23 mars. Donc, cette année, comme vous avez pu le constater, le ROB et le DOB ont eu lieu exceptionnellement au cours de la séance consacrée à l'examen du budget primitif. L'impact de la crise sanitaire, tant sur les dépenses que sur les ressources, reste sujet à incertitude.
En effet, la suppression de certains services implique la perte de recettes et de dépenses, comme ça a déjà été évoqué précédemment. Par contre, des coûts supplémentaires sont à inscrire, tels que l'achat de masques, de produits d'hygiène, la réorganisation des services et de la population pour augmenter la distance physique. Cet impact n'est malheureusement pas terminé, soit parce qu'il y aura une deuxième vague que l'on ne peut pas présumer à l'heure actuelle, mais nous ferons un point plus précis sur l'impact que cela a eu sur nos finances, je pense, fin septembre, après la tenue des CAJ, des animations, et on pourra faire le bilan de ce qui a été décalé ou reporté. Ce budget de budget qui est soumis au vote de cette Assemblée se traduit également par la volonté de ne pas augmenter notre fiscalité, tout au moins nos taux d'imposition, de maîtriser les dépenses de fonctionnement, comme cela a déjà été invoqué, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus à notre population, de poursuivre les projets engagés lors des précédents exercices et d'engager la réalisation de notre programme municipal. Donc, en section de fonctionnement, en budget 2020, il vous est présenté un montant de 3 703 000 pour les charges à caractère général, un montant de 7 298 000 pour les charges de personnel, soit une augmentation de 3,75% par rapport au entre le CA par rapport au BP, un montant de 766 413 pour les autres charges de gestion courante, un montant de 47 958 pour les charges financières, un montant de 43 600 pour les charges exceptionnelles et des provisions pour un montant de 120 000 euros, soit un montant total de dépenses réelles prévisionnelles de 11 979 087 euros. Nous avons un virement entre sections et c'est là qu'on récupère notre épargne des années précédentes, donc nous n'avons pas besoin de recourir à l'emprunt, donc on récupère nos 2 100 sur cette épargne que nous avons accumulée et qui n'est pas inutilisée ni inutilisable, mais bien faite et réalisée dans le souci de la gestion de nos opérations selon notre programme municipal et selon le calendrier que nous avons à gérer. Puisque ce n'est pas aussi simple que ça d'organiser, Monsieur le maire, on reviendra peut-être à la suite tout à l'heure. Donc nous avons également des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 365 703 euros. Nous arrivons donc à ce BP à un total cumulé de dépenses de 14 478 000 euros. Je vais revenir sur le 011, donc les charges à caractère général, qui représentent 30,91% des dépenses réelles de fonctionnement. Les crédits alloués au fonctionnement des services sont limités dans le cadre de la maîtrise des charges de ce chapitre. Il est à noter cependant que certaines dépenses ont été nécessaires à la gestion de la crise liée au Covid, comme on l'a déjà précédemment dit. Les charges de personnel représentent 60,92% des dépenses réelles de fonctionnement. Cette hausse de 0,29% par rapport au BP 2019 s'explique par l'évolution des taux de l'assurance du personnel, la mise en place de certaines actions liées à la prévention des risques psychosociaux, le glissement vieillesse technicité et de nouveaux recrutements prévus au second trimestre tels que le référent famille, le chargé d'accueil pour le centre social et un gestionnaire du domaine public au service technique. Les autres charges de gestion courante représentent 6,40% des dépenses réelles de fonctionnement. L'engagement de la commune auprès de notre CCAS est à hauteur de 406 881 euros, répartis de la façon suivante. 39 925 euros pour la résidence autonomie Benoît Fachon, 40 000 euros pour le programme de réussite éducative, 326 956 euros pour le fonctionnement du CCAS. 162 260 euros seront alloués au titre des subventions aux associations et 191 172 euros pour les indemnités aux élus. Les charges financières représentent 0,40% des dépenses réelles de fonctionnement avec des frais financiers très modestes. En ce qui concerne les recettes se décomposent de la façon suivante. Au budget 2020, on aura 200 000 euros d'atténuation de charges, 186 700 euros de produits de service, 4 515 492 euros d'impôts et taxes, 7 129 000 euros de dotations et subventions, 228 000 euros d'autres produits de gestion courante, 12 euros pour les produits financiers, ça ne rapporte pas le trésor public, 7 800 euros de produits exceptionnels, ce qui fait un total de recettes réelles de 12 267 000 euros, et on a l'affectation du résultat qui a été voté tout à l'heure pour 2 210 950. On arrive à un total de recettes
cumulé de 14 478 422. Donc, le chapitre 13, l'atténuation de charges. Donc la baisse de 33% par rapport au budget 2019 se rapproche plus de la réalité des encaissements. En effet, l'année dernière, les recettes avaient été surestimées. Il était difficile de les évaluer car 2019 était une année de rattrapage de dossiers. Le chapitre 70, qui correspond principalement aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, cantine, centre de loisirs, garderie, location de salle, inscription au centre culturel, le montant en baisse de 48,21% par rapport à 2019, tient compte des répercussions de la fermeture de nos équipements municipaux, de la suspension des transports des scolaires et de la cantine liée à la crise sanitaire. Les impôts et taxes. Ce chapitre est composé pour 3 566 783 des contributions directes, taxes d'habitation et foncières, qui représentent à elles seules 78,90% du chapitre, 150 200 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire, 370 268 euros pour les attributions de compensation, 218 000 euros du fonds de péréquation FPIC, 90 000 euros de la taxe additionnelle des droits de mutation et de 110 000 euros au titre de la taxe de consommation d'électricité. Au sein des produits, les impôts et taxes sont légèrement moins dynamiques, comme il a été dit et précisé dans le ROB. Leur croissance a été soutenue par la montée en puissance du FPIC, le fonds de péréquation intercommunal et communal entre collectivités. Les dotations et subventions participation, donc le principal concours de financier de l'État est la dotation forfaitaire, qui est estimée à 2 295 669 euros. Son montant est sensiblement stable par rapport à celui de l'année dernière. Le montant de la dotation de solidarité urbaine de 3 534 006. Depuis 2017, cette DSU a été réformée et son augmentation est maintenant moins forte, ce qui limite ainsi sa progression annuelle à environ 100 000 euros par an, ce qui représente une augmentation bien plus faible que les années précédentes. La dotation nationale de péréquation est de 293 141 euros. Les dotations et participations inscrites au titre de l'année sont relativement dynamiques avec une augmentation de 3,92% par rapport au budget 2019. Les autres produits de gestion courante, donc ce chapitre est composé des loyers perçus, des logements communaux et de divers remboursements, chauffage, eau, électricité et restaurant, pour un montant de 228 100 euros. Cette baisse de 10,55% par rapport à l'an dernier correspond à la perte de loyer d'un logement communal vacant depuis novembre 2019. En section d'investissement, vous avez les propositions et les reports, ce qui fait que pour le chapitre logiciel, on arrive à 60 925 euros, les subventions d'équipement 824 226 euros, le mobilier et le matériel 2 047 734 euros, les opérations d'équipement 703 537, les dépenses d'équipement représentant au total 3 636 082. L'emprunt, le capital emprunté donc 212 000, les opérations patrimoniales pour 200 000, ce qui nous fait un total de dépenses cumulées de 4 048 422. Vous avez les principales opérations d'investissement pour cette année, ce qui reste soit des restes à réaliser, soit des opérations qui, enfin pour les opérations dont qu'ils ont été déjà engagés et que nous retrouvons en 2020. Vous avez la création de l'accès au cimetière qui reste à régler à environ 6 000 euros, le nouveau plan de circulation qui est prévu au BP pour 79 000 euros, les reprises de concession 150 000 euros, la création donc une partie c'est des restes à réaliser pour 2020, le traitement de l'air de la piscine c'est pareil, c'est un petit reste à réaliser, le parking de la rue Houssin également un petit reste à réaliser. La vidéoprotection, il reste 14 500 euros qui correspond à une tranche conditionnelle sur le cimetière qui n'a pas encore été réalisé et qui le sera vraisemblablement par la suite. Quand nos amis de cette commission responsables auront pris leur sujet bien en main et qu'ils auront pu travailler le dossier. Nous avons l'agenda accessibilité, l'ADAP, qui est engagé principalement par les sanitaires de l'école Ferry et différentes opérations. Les berges du lac, qui sont de notre compétence, et pas le traitement de l'eau du lac, et de la compétence de la CAC, qui représente 15 000 euros. La rénovation du centre culturel pour 8 000 euros pour cette année, avec un report. Le complexe multi-activité,
les travaux à l'école Ferry-Sévigné. D'autres investissements sont également envisagés, donc en opération nouvelle, la construction d'un préau à l'école Casanova pour 6 000 euros, les cuisines satellites pour 74 000 euros, la création d'un parking rue Pasteur pour 10 000 euros, la création d'un parking rue Évrard, 10 000 euros également, et l'aménagement de la plaine du Sept pour 40 000 euros. Ces montants correspondent principalement à la partie qui pourra être réalisée en 2020, vu le contexte, et ou alors à des études préliminaires et nécessaires à la réalisation de nos opérations. L'ANRU, donc la SAC des deux villes, nous avons déjà 80 000 euros qui correspondent là également aux études préliminaires et pas encore aux travaux. La rénovation de la voiture de la médiathèque pour 15 000 euros et la réfection de la voirie de Normandie-Niémen pour 824 000 euros qui a démarré. Les premières réunions de chantier ont eu lieu et le démarrage, je pense que c'est prévu au mois de septembre physiquement. Le démarrage de Normandie-Niémen, c'est septembre ? 6 juillet. 6 juillet. Bon, 6 juillet. Pour un peu plus d'un an. En ce qui concerne les recettes, nous avons les subventions d'investissement, 117 600 euros, les dotations, les fonds divers pour 292 000 euros, l'excédent de fonctionnement, 686 000 euros, les produits de cession, 100 000 euros, ce qui nous fait un total de dépenses réelles prévisionnelles de 1 196 384 euros. Nous avons un virement de la section de fonctionnement, donc c'est pour 2 133 000 euros. Des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 365 703 euros, des opérations patrimoniales pour 200 000 euros et un solde d'exécution reporté pour 152 000 euros, ce qui correspond à un total de recettes cumulées de 4 048 euros. Donc, cette année encore, les efforts consentis par l'ensemble des services sur les dépenses de fonctionnement permettent de garantir une capacité d'autofinancement nette positive. Nous avons également des subventions d'investissement qui se décomposent de la façon suivante. 40 000 euros pour l'aire de jeu au lac, 20 000 euros pour la rénovation du centre culturel, 6 600 euros pour l'investissement numérique, 40 000 euros pour le fonds de concours piscine équipement et 11 000 euros d'amende de police. Le montant du FCTVA s'élève à 242 000 euros. La taxe d'aménagement, la prévision pour 2020 est de 50 000 euros, justifiée une fois de plus par le ralentissement des transactions immobilières. Mais enfin, les transactions qui n'ont pas lieu cette année, on les retrouvera l'année prochaine sur les différentes ventes. Le chapitre 024 correspond aux produits attendus des ventes de terrains, notamment des terrains qui ont été qui sont propriétés de la ville, qui avaient été prévus en réserve pour la réalisation d'un terrain pour les gens du voyage et qui n'est plus d'actualité puisque c'est passé en opération intercommunale. Ça sera réalisé et suivi par l'AGLO. Donc nous ne sommes plus concernés. Voilà, chers collègues, les grandes lignes de ce budget primitif pour 2020. Je reconnais que c'est un budget un peu spécifique, que les conditions sont un peu exceptionnelles par rapport aux années précédentes. J'espère que l'année prochaine, nous ne serons pas dans les mêmes conditions et que nous pourrons travailler plus facilement, que ce soit dans les services ou au niveau des élus. Merci, Monsieur De Roc. Et repréciser qu'effectivement, c'est exceptionnel. Nous sommes le 30 juin, donc vient de s'écouler aujourd'hui 6 mois d'activité communale et un budget qui doit reprendre déjà ce qui a été déjà dépensé et qui ne pourra pas être modifiable au bout de 6 mois. Donc voilà, je ne m'étalerai pas là-dessus à nouveau, mais. Je vais demander quelles sont les interventions au sein du Conseil. Monsieur Brabant et ensuite Monsieur Biermann. Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal, que retiendrons-nous du budget primitif 2020 ? Premièrement, de par le budget primitif 2020 présenté à la page 15, vous proposez une baisse de versement aux organismes de formation. Le montant passe de 50 230 euros à 44 900 euros. Mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Vous avez rappelé une période de crise sans précédent dans votre rapport d'orientation budgétaire. Il faut investir sur l'humain et les compétences pour que les personnes développent leur employabilité et la valeur de leur expertise sur le marché économique. Deuxièmement, à la section investissement, page 20, les crédits alloués à la réfection des bâtiments scolaires passent de 214 000 euros à 48 500 euros.
Les crédits sont donc divisés par 4, alors que vous souhaitez développer un plan de réussite éducative exposé en commission citoyenneté et développement économique le 19 juin 2020. Si nous voulons que nos enfants réussissent leur vie adulte, il faut leur donner les moyens de travailler dans des locaux adaptés. C'est la base. Troisièmement, comme nous l'avons entendu à la commission finance à laquelle j'ai activement participé, la ville de Montigny-en-Goël n'aura pas la capacité de faire face à des dépenses de fonctionnement au même niveau qu'au mandat précédent. La commune doit donc maîtriser ses dépenses de fonctionnement, elle devra trouver des actes d'optimisation. Et c'est là que nous ne sommes plus d'accord. Pourquoi avoir engagé un directeur de cabinet qui va nous coûter 480 000 euros sur la mandature? Vous n'avez même pas osé renseigner le prix de son recrutement à la page 147 du budget primitif 2020. N'y avait-il pas des recrutements plus urgents à faire? Quand nous voyons que le nombre de policiers municipaux reste désespérément à 2 personnes, alors que nous avons un besoin de renforcement manifeste de cette équipe compte tenu de l'actualité. Où se trouve le cadre économique référent de la ville qui devrait en permanence travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie, l'association Initiative Goël d'aide à la création des entreprises et la CAC pour devenir la courroie de transmission des plans d'aide économique qui sont votés envers nos entreprises et nos commerces locaux en difficulté? Vous nous avez annoncé la création de 6 cellules commerciales sur le futur hôtel d'entreprise construit sur la commune. Elles ne vont pas se remplir toutes seules. Vous nous avez annoncé 300 commerces et enseignes sur la commune. Très bien. Mais pourquoi toutes ces informations ne figurent-elles pas dans le livret des associations de la commune en partenariat avec l'Union commerciale UCAMEG? J'ai remis 2 livrets communaux à votre directeur de cabinet lors du dernier conseil municipal du 12 juin 2020. Un concernant la ville de Carvin, dont le maire Philippe Kemel, vous avez choisi comme colistier aux élections législatives de 2017, et un de la ville d'Hénin-Beaumont, dans laquelle vous avez été employé pendant de longues années. Tout cela pour vous montrer la mise en valeur des commerces et entreprises de ces villes en partenariat avec leur union commerciale. Enfin, il est plus qu'urgent de développer le dispositif Territoire Zéro Chômeur en lien avec le CCAS, la mission locale, l'État et la région, pour proposer un projet de vie professionnel à toutes les personnes réinsérables. C'est donc pourquoi, sans réponse tangible à toutes ces questions, je vous annonce, mesdames et messieurs les élus, que je voterai contre ce budget primitif 2020. Quelques éléments de réponse, monsieur Brabant. Aujourd'hui, on vote le budget primitif 2020. Donc le directeur de cabinet, le coût, c'est pas 480 000. C'est 80 000. D'accord ? Il n'y a pas besoin... comme c'est vous qui faites les questions et les réponses, permettez-moi quand même de rétablir les choses. C'est que présenter sur un vote annuel une rémunération cumulée sur plusieurs années, on peut le faire avec plein d'autres personnes. Hein. On peut le faire avec des cadres de la commune, avec les élus, par exemple. Par exemple, les indemnités des élus pour lesquelles nous avions été accusés d'augmenter l'enveloppe alors qu'elle a diminué. De monter le total sur 6 ans. Bon, c'est de nature à biaiser un peu les choses. Vous parliez aussi, vous avez confondu un peu les investissements sur les bâtiments scolaires et le PRE. Alors, ce n'est pas les mêmes chapitres non plus. Puis, je reviens sur cette crise. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire parce que pendant 3 mois, on a été stoppé. Et je reviens aussi sur les organismes de formation. Moi, je suis tout à fait d'accord pour augmenter les participations aux organismes de formation. Mais des formations ont été annulées. Donc, on n'allait pas par plaisir dans le budget 2020 des sommes qui ne peuvent pas correspondre à la réalité. Et voilà. Et puis ensuite, vous voulez nous comparer... vous parlez des cellules d'hôtels d'entreprise. On y travaille avec l'agglomération dont c'est la compétence et le terrain appartient à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. Et n'ayez aucun doute que les cellules seront remplies. Ensuite, vous comparez Montigny aux 2 plus grosses communes de l'agglomération. Alors, on n'est pas dans les plus petites non plus, c'est vrai, mais vous nous comparez avec Carvin, 17 000 habitants, et Hénin-Beaumont, 27 000 habitants. Monsieur
Je préférerais que vous nous compariez à Oigny ou à Courrières, par exemple, ce serait un peu plus cohérent, déjà, et là, un peu plus, peut-être un peu plus objectif, peut-être. Voilà pour mes réponses sur votre intervention. Je donne la parole maintenant à Monsieur Wiermann. Merci. Avant d'intervenir, je voulais revenir sur l'attaque personnelle de Monsieur De Rocque. Bon, j'ai bien compris qu'on ne partira pas en vacances ensemble. Hein. J'en suis moi-même le premier, désolé. Mais si je peux me permettre juste un conseil. Vous avez un rétroprojecteur ici, mettez un peu plus de passion lorsque vous présentez le budget. Nous savons lire, hein, c'est pas un problème. Donc, vous avez des jeunes hein, dans le conseil municipal, donnez-leur l'envie d'aller vers le budget. Parce que parfois, effectivement, on a un peu tendance à piquer du nez. Voilà, c'est un conseil. Hein. Pour les vacances ? D'accord. Monsieur Berman, je vais essayer d'arrêter. Et la semaine dernière, avec 4 jours, vous me reprochez d'être trop passionné. Et ce coup-ci, vous me reprochez d'être trop calme. Cette semaine, je suis très zen, très calme, très tout ce que vous voulez. Donc, un coulotte, mais décidez-vous. Vous étiez trop agressif envers moi. C'est différent. Je vais essayer d'y remédier, monsieur Berman. On reparlera des vacances, alors. Non, peut-être pas pour cette année. Avec le Covid, c'est pas souhaitable. D'accord. Bon, monsieur le maire, mes chers collègues, ce budget a été constitué dans un contexte particulier et nous le comprenons. Nous laisserons donc le bénéfice du doute sur la capacité de l'adjoint à construire un budget sur un programme donné ou soit au contexte particulier qui a vu l'opportunité de faire appel à un consultant externe. Nous aurons 6 ans pour en juger. Au risque d'être rébarbatif, car nous avons déjà parlé sur le compte administratif 2019, sur l'Europe, nous n'irons pas sur le terrain des chiffres déjà discutés. Commençons par un point positif. La mise en convergence, enfin, des charges à caractère général. En effet, lors des derniers budgets primitifs, ce poste était clairement très surestimé. Nous comprenons qu'il peut être surestimé pour effectivement dégager une marge de manœuvre. Mais effectivement, ma collègue Odile Cazier, l'an dernier, vous avez alerté sur ce sujet. Et vous avez rectifié le tir, et certainement un point qui sera repris par la Chambre régionale des comptes. On verra. Merci, monsieur Briquet. Honnêtement, notre groupe a failli arrêter l'intervention à ce stade, car nous ne savons pas où vous allez pour cette année. Enfin, sincèrement. Hein. Alors, je comprends, hein, le contexte est particulier, nous sommes déjà en juin, nous l'entendons, mais enfin, nous avons 7 pages. Il y a juste, enfin, c'est juste compliqué de savoir où vous allez, et j'ose espérer que vous avez une boussole de qualité, car au vu des documents que nous avons, l'orientation budgétaire de vos actions est quelque peu inexistante. Pour autant, monsieur le maire, nous sommes d'accord sur le constat actuel de la crise sanitaire, qui évolue vers une crise sociale et économique. Alors, où est votre soutien à la population, aux auto-entreprises ? Grande délaissée des actions des collectivités. Encore une fois, nous sommes d'accord sur un constat. Montigny-en-Goële enregistre près de 300 entreprises avec une proportion non négligeable d'auto-entrepreneurs. Où est votre soutien au commerce ? La communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a voté un plan de relance, certes, selon nous, tardivement. Mais où étiez-vous durant le confinement pour tous ces acteurs qui avaient besoin d'un soutien financier et psychologique ? Je me mets à votre place, hein, et je sais que la posture n'est pas évidente. Mais en toute sincérité, vous êtes un peu loin de votre programme. Et j'ose espérer qu'à la fin du mandat, vous ne prendrez pas pour excuse cette phase de confinement pour ne pas rendre des comptes à nos habitants. Nous voterons contre le budget primitif 2020 pour tout ce qui a déjà été énoncé précédemment. Mais je tiens à vous préciser tout de même que le groupe Rassemblement National restera dans sa dynamique de propositions tout au long des conseils municipaux, nous aurons l'occasion de discuter sur la prochaine délibération, nous ne manquerons pas de voter les projets qui nous semblent en phase avec notre ambition pour Montigny-en-Goële, et nous ne manquerons pas d'amender les délibérations. Merci.
Merci, Monsieur Biermann. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris concernant les charges à caractère général et la CRC. C'était pas un pic juridique. Entre le budget primitif, les charges à caractère général, par exemple, tournaient autour de 4,5 millions, étaient quantifiées autour de 4,5 millions de mémoire pour 2019. Le compte administratif, lorsque l'on clôture le compte administratif, on voit que le gap est très significatif entre le BP et le CA. Il y a un gap qui est d'environ 20-25%. J'ai plus en tête, mais vous allez comprendre où je veux en venir. BP 2020, j'ai pu voir effectivement que ce poste avait été clairement quantifié de manière à converger plus ou moins sur le compte administratif. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la Chambre régionale des comptes va très clairement faire observer que ce poste était clairement surestimé sur les précédents budgets primitifs. Alors, nous entendons, il faut dégager des marges de manœuvre, certes, sauf que lorsque l'on vote un budget primitif, il y a quand même la notion de sincérité du budget. Et cette notion de sincérité, elle est clairement justifiée et mise en avant sur des chiffres qui ne sont pas non plus trop extravagants par rapport à ce qui a voté. Voilà où je voulais en venir. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est le comptable, rapport de la CRC n'est pas encore arrivé. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous dis que peut-être... On en discutera le moment venu et peut-être que vous en aurez des surprises. C'est une hypothèse. Oui. Bon, voilà, c'était juste... ensuite, bon, par rapport à la remarque que vous faisiez à M. De Rock tout à l'heure sur mettre un écran, etc., effectivement, c'est une possibilité. Mais un budget, ce n'est pas uniquement une opération de communication. C'est aussi... Allez, c'est vrai que c'est ardu, c'est vrai que c'est pas le plus fun, mais probablement le plus important, de bien déterminer les grandes masses, les grandes orientations, ce qui a été fait dans le passé, ce qu'on a la possibilité de faire. C'est bien aussi de mettre le nez dans les chiffres. C'est pas uniquement une communication. Et par rapport à la relance des commerces, le plan, la commune, je compare, c'est pas pour faire des mauvaises comparaisons, mais l'agglomération d'Hénin-Carvin a voté un plan de relance. La commune d'Hénin-Beaumont aussi a voté un plan de relance, qu'on a voté ensemble, évidemment. Cela dit, les entreprises et commerces pourront soit bénéficier de l'aide de la CAQ et celle d'Hénin-Beaumont, soit celle d'Hénin-Beaumont, mais pas les deux. Parce que c'est un fonds particulier qui, c'est grâce à la région. Donc, sur ce côté-là, effectivement, on aurait pu aussi, nous, se mobiliser. Mais les entreprises, c'était soit la CAQ, soit nous. La CAQ, c'est quand même la CAQ qui a la compétence vie économique en plein sur le territoire. Et je trouvais logique que ça se fasse de cette manière-là. Voilà. Ma remarque était plus orientée aussi sur le monde de l'auto-entreprise. Car vous savez comme moi que le plan de relance n'englobe pas forcément les auto-entreprises dans tout son aspect. C'était juste par rapport à ça et ma remarque était aussi par rapport au timing. Mais vous venez de répondre. Je propose qu'on passe au vote maintenant que chaque groupe... Chaque tendance a pu s'exprimer. Qui est contre le budget ? Donc 5 plus les pouvoirs, donc 7 votes contre le budget. Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstention, donc merci. Le budget est adopté à 26 voix contre 7. Merci, chers collègues. Donc nous passons à la délibération numéro 5. Merci Monsieur le maire. Préalablement à cette délibération, nous avons reçu un amendement, amendement numéro 1 présenté par le groupe Rassemblement National. Donc l'objet est de changer le taux de la taxe foncière.
Donc l'intitulé de cet amendement est « Remplacer le taux de taxe foncière bâtie 34,95% par le taux de taxe, foncière bâtie 34,14%. » Est-ce que je peux exposer des motifs ? Oui. Allez-y. Oui, donc en fait, ce que nous disons a été plus ou moins résumé d'ailleurs par M. De Roque. Nous proposons une baisse de 2,31% du taux de taxe foncière pour la part communale, pour que la part communale reste constante entre 2019 et 2020. Lorsque l'on dit que l'on n'augmente pas les impôts, c'est ça justement, c'est mener une action sur les bases nettes d'imposition qui augmentent malheureusement naturellement dans le temps. Donc lorsque l'on garde constant le taux communal et que ses bases augmentent, la part communale de l'impôt foncier augmente. Ainsi, notre amendement permet à cette part inhérente à la taxe foncière de ne subir aucune hausse. Je tiens à vraiment insister là-dessus. Et les recettes fiscales subissent une baisse de 46 695 euros, équilibrée par une opération de baisse du même montant du chapitre 011, charge à caractère général. Ouais, non, c'est un peu gros, fête et cérémonie. C'est 180 000, ça va représenter un quart du budget, M. Bricky. C'est trop. Merci. Oui, Monsieur Biermann, ce que je comprends dans cet amendement, très honnêtement, je pense que c'est plus encore une fois une opération de communication. Mais je vais vous dire aussi pourquoi, parce que notre commune n'a jamais connu d'augmentation violente par une augmentation obligatoire due à une mauvaise gestion qui peut arriver dans certaines communes. Elle est bloquée depuis 2009. Elle n'a pas bougé, on rappelait, taxe d'aménagement et taxe foncière n'ont pas bougé. Et en plus, elle est loin d'être la plus élevée du secteur, notamment sur la taxe foncière, qui est beaucoup plus élevée ailleurs. Et la taxe d'habitation, elle est supprimée, on ne sait déjà pas. Pour l'instant, il est prévu qu'il y ait une dynamique qui soit gardée, ce qui n'est pas certain sur tous les budgets de loi de finances de l'État pour les prochaines années. J'en doute fortement. Et le dernier axe de ressources, il faudrait que ça nous rapporte moins, alors qu'on voit que nos ressources ont tendance à diminuer. Et cosmétique, parce que c'est vraiment le gain pour les administrés, il est vraiment cosmétique, comme je disais tout à l'heure. Voilà pourquoi je n'appellerai pas à voter pour cet amendement que je vais mettre aux voix. Après avoir entendu M. Brabant sur la question. Alors, bien évidemment, j'entends votre réponse, hein, il n'y a aucun sujet là-dessus. C'est pas une opération de communication pour deux raisons. La première, c'est que, très clairement, c'était dans le programme que nous avons présenté. Et la deuxième, c'est que le montant, il est ridicule pour la commune. Mais pas si ridicule que ça pour les propriétaires. Parce que les propriétaires, ce qu'ils voient, c'est que, clairement, d'année en année, ils voient leur taxe augmenter. Donc je tiens et je maintiens le fait que cette proposition vient vraiment d'une démarche constructive et en phase avec notre programme. Mais j'entends bien, effectivement, que vous n'êtes pas dans cet objectif, c'est-à-dire dans l'objectif de garder constant la part communale de l'impôt foncier. Voilà. Merci. Monsieur Brabant, pardon. Oui, monsieur le maire.
Merci. Vous parliez de hausse cosmétique, mais les hausses, à un moment donné, si vous voulez, moi je veux bien qu'on discute de hausse d'impôts, mais à condition de savoir à quoi le budget est utilisé. Chaque année, on vote des excédents budgétaires. Donc pourquoi encore collecter des impôts supplémentaires ? La réflexion de M. Biermann sur ce projet de délibération, elle est logique. C'est vrai qu'on concentre encore une fois le prélèvement sur des propriétaires. Et puis cet argent, vous nous dites, on ne sait pas quels seront les engagements de l'État. Mais quand on regarde dans les faits, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État, il tient ses engagements. L'État ne nous laissera pas tomber de toute façon, quoi qu'il arrive. Il sera toujours derrière nous. Même si on est en grande difficulté, il sera quand même derrière nous, l'État. Et c'est cet argument que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous maintenez en fait ce taux, effectivement, et ce prélèvement supplémentaire ? D'autant plus qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on vote des excédents. Bon, vous êtes bien optimiste, hein, monsieur Brabant, parce que quand on regarde un certain nombre de financements de l'État, force est de constater que, je ne parlerai même pas des dotations globales des communes, mais il y en a des tas qui ont disparu, comme le financement des emplois aidés, par exemple. La TVA. La TVA... c'est 20%, on va dire, sur les choses courantes. Ça augmente tout le temps. Et j'entends jamais personne qui s'indigne que la TVA ne baisse pas. Et ça augmente. Et tout augmente, d'ailleurs. Pour vous, comme pour moi, comme pour la commune, tous nos achats, toutes nos dépenses. Et à un moment donné, il faut le gérer de manière prudente et pas en bon père de famille, parce que ça sous-entendrait qu'on reste pépère dans son coin. Mais ce n'est pas mon argent que je gère là. C'est un budget global et il faut gérer les dépenses, mais aussi les recettes, aussi faibles soient-elles. Et encore une fois, vous parlez d'excédent, c'est une capacité d'autofinancement qu'on doit dégager budgétairement dans un budget communal. Ce n'est pas faire un excédent pour le plaisir de faire un excédent. Prenez tous les budgets communaux, sauf quand il y a des catastrophes parfois dans les communes, il y a toujours une recherche d'obtenir un excédent. Toujours. Et pour financer et d'emprunter le moins possible, quand on a besoin d'emprunter. Donc c'est un peu le discours, le chat qui se mord la queue quelque part. Si on était à zéro d'excédent, on serait pas bien en point. Voilà. Donc, je propose qu'on mette aux voix cet amendement. Donc, qui est pour cet amendement ? Qui est pour cet amendement ? Donc, 5, donc 7. Qui s'abstient ? Merci. Donc, cet amendement est rejeté. 26 voix contre et 7 pour. Alors, je redonne la parole à Monsieur De Roc. Merci, Monsieur le Maire. Donc, il résulte de l'article 1636 du Code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu'au 1er janvier 2023, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. Bon, cette disposition a été confirmée par le Conseil d'État. Il est à noter que pour la taxe d'habitation, la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de taxe d'habitation à leur valeur de 2019 et que l'obligation de vote du taux de la taxe d'habitation n'est plus mentionnée par l'article 1636 du Code général des impôts. Je vous invite donc à vous prononcer sur le taux des taxes légales dans les conditions suivantes. Taxe foncière bâtie, 34,95%, et taxe foncière non bâtie, 84,19%. Pour information, ce taux représente peut-être un montant qui vous paraît élevé, mais ça ramène 22 215 euros à la commune. C'est une information. Alors, je propose qu'on passe au vote. Alors, qui est contre ?
le vote de la taxe d'imposition locale. Personne n'est contre ? Qui, alors ? Donc, ben, j'ai marqué un temps d'arrêt, je me demandais si c'était bien cohérent avec ce que vous disiez il y a quelques instants. Donc, un vote contre. Qui s'abstient ? Donc, 4 et 2, donc 6. Donc, un vote contre, 6 abstentions. Merci. Donc, cette délibération est adoptée à 26 voix pour, 1 contre et 6 abstentions. Délibération numéro 6, ben encore à vous, hein, M. De Roque. Bien, chers collègues, la comptabilité M14 impose le rattachement des charges ayant donné lieu à services faits au 31-2019 et des produits dont le droit a été ouvert avant le 31 décembre 2019 et qui n'ont pu être réglés. Vous avez le détail de ces produits et charges qui représentent, si mes indications sont bonnes, 356 846 euros en charge et 41 171 euros en recette. Et je vous invite donc à approuver ce rattachement à l'exercice 2019. Vous avez l'ensemble des prestations rattachées dans les pages qui suivent. Les interventions ? Alors, on passe aux voix. On passe aux voix. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Septième délibération. Monsieur De Roque. Merci, monsieur le maire. Donc, la loi 95-127 du 8 février 95 modifiée, relatif aux opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières donne lieu à délibération du conseil municipal. Le bilan de ces cessions et acquisitions est joint, donc page 20 de votre état. Donc, nous avons une acquisition. Par la commune auprès de M. Bricky Ahmed pour 3 229,06 €. Ça a été une délibération, une décision du 9 juillet 2018 qui a été reçue en sous-préfecture de Lens. Ça correspond à une régularisation pour l'aménagement de la voirie de la rue Normandie-Niemen et les abords de ce secteur. En ce qui concerne les cessions, la ville a cédé une parcelle dont vous avez les références au profit de la communauté d'agglomération pour un montant de 84 000 € selon la délibération du 18 juin 2018 et cela concerne l'emprise nécessaire à la réalisation de l'hôtel d'entreprise, la ruche d'entreprise qui va être réalisée par la CAC sur les parts d'en bas. Donc je vous propose d'approuver ce bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Des interventions ? On met en voix. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8. Merci. Monsieur le trésorier Dana Beaumont nous a fait état de deux états de créances irrécouvrables. Donc un état pour 332,90 € et un état des créances éteintes pour 126 €. Vous avez le détail, les échanges de courrier derrière. Donc je vous propose d'admettre en non-valeur les créances et de les prendre dans le compte 65-41, les créances admises en non-valeur pour 332,90 € et dans le compte 65-42, créances éteintes pour un montant de 126 €. Y a-t-il des interventions ? Nous passons aux voix.
Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 9 sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine. Merci, monsieur le maire, chers collègues. En vertu de la circulaire du 14 juin 1994, le conseil municipal doit approuver l'utilisation qui a été faite de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'exercice écoulé. Pour l'année 2019, ce montant était de 3 428 155 euros. Donc, vous avez donc un détail de la répartition de ces 3 428 155 euros selon leur utilisation. Et je vous invite à approuver cette répartition et cette utilisation de cette DSU pour l'année 2019. Des interventions ? Monsieur Brabant. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, il me semble que vous avez omis une précision importante concernant l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine. En effet, permettez-moi d'éclaircir ma pensée. Lors du premier conseil municipal en date du 26 mai 2020, vous avez fait voter une fixation des indemnités de fonction de maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués avec une majoration de la DSU. Ce jour-là, vous nous avez présenté des pourcentages, mais qu'en est-il réellement des montants qui ne figuraient pas dans la délibération ? Je vous annonce que de mon côté, j'ai réalisé ce calcul. L'indemnité du maire passe donc de 1 905 euros bruts à 2 638 euros, soit 133 euros d'augmentation par mois, et celle de chaque adjoint de 953 à 1 147 euros bruts, soit 194 euros d'augmentation par mois. Au total, l'augmentation des indemnités sur la mandature s'élève donc à 164 520 euros. Conclusion, l'argent de la DSU ne sert pas qu'à financer les projets sociaux pour les plus défavorisés. Il sert aussi à enrichir les élus de la majorité qui auraient très bien pu se contenter des indemnités. Monsieur Brabant, ça n'a absolument rien à voir avec cette délibération. Ah, si, je suis désolé, monsieur le maire. Absolument, parce que la majoration dont vous parlez, ce n'est pas une majoration de la DSU. Non, mais. Ça n'a absolument. Et c'est hors sujet. Non. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour finir, mais. Bon. Ça n'a rien à voir avec cette délibération. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vu ce que vous disiez sur les excédents budgétaires vous maîtrisiez moyennement, je crois que vous vous trompez largement. Non, je ne pense pas. Parce que vous nous présentez des pourcentages, effectivement, sur la première délibération du premier conseil municipal. Donc là, c'est important d'y revenir. Voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas trop osé challenger le budget des subventions aux 55 associations qui font des demandes de financement auprès de la commune dans le compte administratif. Avec un total de subventions... Monsieur Brabant, je suis vraiment désolé, je vais devoir vous couper la parole parce que vous n'êtes pas dans le sujet de cette délibération. Monsieur le maire... C'est une utilisation de la dotation de solidarité urbaine... Et donc, nous avons listé tout ce qui rentre dans... Et c'est encadré. Donc, vous dévoyez à dire des choses qui n'ont rien à voir. Je ne continue monsieur pas à vous laisser parler là-dessus, parce que vous allez tromper tout le monde. Bon, manifestement, point-là vous dérange. Je comprends pas du tout. Je viens de vous l'expliquer juste précédemment. Vous confondez des indemnités d'élus avec une colonne majoration que d'aucuns utilisent celle de l'ancien chef-lieu de canton que nous sommes plus. Et donc vous mélangez les sujets, monsieur Brabant. Donc je souhaite qu'on parle de cette délibération concernant l'utilisation de la solidarité urbaine à hauteur de 3 428 155 euros. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres élus ? Alors je passe aux voix. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, nous arrivons à la délibération numéro 10. Jean-Paul. Merci, monsieur le maire. Donc, nous revenons sur la subvention à l'association sportive et culturelle, l'ASC, pour la mise en œuvre de nos quartiers d'été. C'est une délibération qui était passée
Déjà le 2 mars 2020, pour un montant de 3 900 euros. Nous vous proposons de la repasser pour ce même montant en raison de la modification de son assiette. La délibération initiale prévoyait un certain nombre d'animations vis-à-vis d'un public beaucoup plus large. En raison du Covid, l'assiette des interventions a été réduite, mais je vous propose de maintenir donc cette animation et de maintenir le montant qui avait déjà été voté au mois de mars de cette année. Des interventions sur cette délibération ? Non. Alors, nous mettons en voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, nous en avons terminé avec le chapitre finances. Merci, Monsieur De Roque, cher Jean-Paul. Et je voulais en profiter. Je te redonne la parole, 30 secondes. Non, c'était simplement pour remercier Florence et Sabine en particulier, qui ont quand même beaucoup travaillé avec moi sur ce dossier. C'est pas forcément simple, et les services ont quand même effectué un travail remarquable d'information, et je ne peux que les en féliciter, ainsi que l'ensemble du service financier, bien entendu. Bon, merci en effet pour le travail accompli. C'est jamais une tâche simple, et surtout cette année. Donc nous en avons terminé avec le chapitre finance et nous allons arriver sur le chapitre citoyenneté, donc sur une délibération concernant la mise en place du conseil maison du centre social. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, et pour cette délibération je vais donner la parole à monsieur Nordine Bricky, notre conseiller délégué au centre social. Concernant la mise en place du conseil de maison du centre social, la ville de Montigny-en-Gohelle s'est engagée dans une démarche de préfiguration de centre social depuis juin 2018. Cette démarche a abouti à un dépôt de dossier en mars auprès de la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais en vue de l'obtention d'un agrément de préfiguration. Il est précisé que les structures d'animation de quartier bénéficiant d'un agrément centre social doivent se doter d'instances de gestion associant les usagers des services proposés par ces structures. L'instance de gestion qui sera nommée conseil de maison sera chargé de contribuer à la conception du contrat de projet du centre social, sa mise en œuvre et son évaluation. Elle aura également compétence pour se prononcer sur la gestion de fonctionnement du centre social et d'émettre des propositions budgétaires. Un règlement intérieur de ce comité sera établi. La composition de ce conseil de maison, validée avec la Caisse d'allocation familiale, sera pluripartite, associant les collèges Ville de Montigny-en-Gohelle, adhérents et associations. Pour le collège Ville de Montigny-en-Gohelle, 6 élus désignés par le conseil municipal en son sein sur la durée du mandat avec voix délibérative. Ensuite, un collège des adhérents, 6 adhérents élus par les adhérents du centre social pour un mandat de 3 ans renouvelable avec voix délibérative. Et un dernier collège des associations, 4 représentants d'associations avec voix consultative implantés dans les divers quartiers de la commune. Ils seront désignés par leur instance par un mandat d'un an renouvelable. Ce conseil de maison sera co-présidé par un représentant des collèges Ville de Montigny-en-Gohelle et adhérent élu du conseil de maison. L'entrée en vigueur de ce conseil de maison se fera au cours de l'année de préfiguration. Je vous propose de voter. Y a-t-il des interventions ? Non, pas d'intervention. Donc, nous mettons en voie cette délibération. Alors, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, délibération suivante. Donc, il s'agit de la future tarification du centre social, et toujours Monsieur Bricky sur cette délibération. Il est nécessaire, donc, dans le cas de la création du centre social et de la mise en œuvre de son projet social, il est nécessaire de statuer sur les tarifs qui seront appliqués dès la rentrée de septembre 2020. Les habitants de Montigny-en-Gohelle ou des extérieurs pourront prendre une adhésion au centre social qui leur permettra de signifier leur attachement au centre social et partager leurs valeurs, s'engager personnellement et devenir bénévole, accéder à des services et participer aux activités.
3 adhésions sont possibles, individuelles, familiales et associatives. Donc pour l'individuel, 5 euros. Pour la familiale, 8 euros et associative, 20 euros. Une programmation d'ateliers hebdomadaires ou mensuels va être proposée aux habitants dont les tarifs pourront être revus annuellement. Il y aura à titre d'exemple des activités telles que baby éveil, de la cuisine, de la couture, de la gym senior, de la randonnée, de l'accompagnement à la scolarité, un petit déjeuner des parents, un café des seniors et des loisirs en famille. Pour les ateliers adultes et enfants, alors deux tarifs, un tarif montigny-nois et un tarif extérieur. Donc pour les ateliers adultes, 8 euros pour le tarif montigny-nois et 12 euros pour le tarif extérieur. Pour les ateliers parents-enfants, 12 euros famille pour le tarif montigny-nois et 18 euros famille pour les tarifs extérieurs. Il est précisé que toutes les séances qui ne pourraient être assurées ne feront pas l'objet d'un remboursement, mais dans la mesure du possible, le centre social essaiera de trouver des solutions de report à ces séances. Au-delà d'une programmation fixée sur le calendrier référencé sur l'année scolaire, des activités plus spécifiques et ponctuelles, sorties familiales, soirées familiales, animations de quartier, mini-stages, en direction des enfants, adolescents, adultes ou familles seront mises en place dans l'année. Les tarifs prendront en compte la nature de l'activité et du service pour les subventions éventuelles auxquelles la commune peut prétendre. Pour des raisons pratiques et d'échéance en liaison avec les dates d'inscription, il est nécessaire d'autoriser Monsieur le maire à fixer les tarifs ponctuels. L'entrée en vigueur de cette tarification se fera en compter de la date d'agrément délivrée par la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais. Je vous propose de voter. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Brabant ? Oui, merci Monsieur le maire. Sur cette délibération, on en a parlé un petit peu en commission, mais est-ce qu'il serait possible en fin d'année ou d'avoir en fait le bilan des inscriptions individuelles, familiales et associatives sur ce point-là ? Excusez-moi, j'ai eu un instant d'inattention si vous... C'est pas grave. Oui, je vous demandais, est-ce qu'il serait possible en fin d'année d'avoir le bilan, en fait, on en avait parlé un petit peu en commission, si on pouvait avoir le bilan des inscriptions individuelles, familiales et associatives sur ce centre social, parce que c'est quelque chose qui vient de se lancer. Ah ben, on va le laisser ouvrir, hein, ben, pas de souci. Alors, évidemment que des chiffres et pas de noms, hein, parce qu'on est soumis, bien sûr, à la protection des données, bien évidemment. Donc, merci Monsieur Bricky pour cette présentation. Préciser quand même que cette tarification a été passée à l'avis de la commission qui a été consultée à cet effet. Pas d'autres interventions ? Donc je propose de mettre aux voix. Alors, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 13 concernant la révision de la grille tarifaire de la restauration scolaire au regard de l'accueil des enfants atteints d'allergie alimentaire. Alors, c'était Madame Goffard qui devait la présenter, mais malheureusement, elle a dû quitter les lieux. Elle est élue d'astreinte cette semaine et donc elle est requise, un élu est requis là à l'instant. Donc, elle vient de nous quitter en laissant une procuration pour Madame Junta. Voilà. Ah, donc, c'est moi qui vais présenter cette délibération. Faut que je reprenne le fil, hein, en essayant de ne pas lire intégralement ce qui est indiqué. Voilà, en fait, je vais le dire comme ça, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'enfants, très peu en réalité, mais un certain nombre d'enfants, ne peuvent pas manger ce que le prestataire offre en raison d'allergies alimentaires. Dans ces cas-là, les enfants et leurs familles sont soumis à ce qu'on appelle un PAI, un plan d'accueil individualisé, et qui doit faire l'objet d'un avis médical, de l'accord de l'éducation nationale, enfin d'un avis de l'éducation nationale, et pour la restauration scolaire de la cantine, enfin de la mairie, pardon. Et jusqu'à présent, nous faisions tout de même payer le tarif
le tarif. On avait pris une délibération sur la fin de l'année réduisant à 1 euro des cas plus larges que ceux-là, ceux qui ne pouvaient pas avoir... il y avait ces cas-là, plus les cas d'enfants qui ne pouvaient pas avoir un repas de substitution. Et mais pour ce cas-là, on a trouvé que une famille qui doit gérer une pathologie au quotidien et qui a des conséquences sur les repas était très contrainte. Et donc, il devait, en plus de la gestion scolaire habituelle, fournir un repas, donc préparer, etc. Et donc, on a trouvé que faire payer même une somme modique était peut-être pas la bonne solution. C'est pour ça qu'on propose dans cette délibération que dans ce cas, il ne soit rien réclamé à la famille et donc une tarification à zéro. Voilà sur le principe de cette délibération. Donc, y a-t-il des interventions sur le sujet ? Donc, Madame Milzinski. Merci. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, donc dans cette délibération, nous voyons que vous avez mis une toute petite contribution d'une partie de notre amendement. La gratuité pour les enfants bénéficiant donc de repas de substitution et de PAI. Pas pour cette fin d'année scolaire, mais l'année suivante. Comme vous ne souhaitiez pas mettre en œuvre la gratuité pour tous en cette fin d'année scolaire. Nous aurions aimé voir sur cette délibération plus complète en y ajoutant deux points fondamentaux. Le premier, en y ajoutant les autres élèves, grand oublié de la délibération du dernier conseil municipal, en incluant les repas également à 1 euro pour la période du 15 juin au 3 juillet. Le second point, c'est la révision de la grille tarifaire pour l'année suivante, en proposant une baisse pour ces autres élèves. La crise du Covid-19 est loin d'être terminée. Nous avions parlé de solidarité pour tous, or sur cette nouvelle délibération, cela n'aidera pas tous nos concitoyens. En conclusion, il nous manque des éléments essentiels. Par conséquent, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cette délibération, mais pour la solidarité totale, y ajouter les repas à 1 euro pour les autres élèves pour la période du 15 juin au 3 juillet et revoir la grille tarifaire pour la future année scolaire en revenant au tarif de 2010. Le Covid-19 n'est pas qu'une crise, comme on disait, sanitaire, mais surtout économique et sociale. Et c'est aujourd'hui que le conseil municipal doit agir pour protéger tous les Montigninois. Merci. Merci, Madame Milzinski. Pour une autre tarification plus tard, il faut en mesurer quand même tous les effets. Moi, je ne suis pas contre le principe de revoir la tarification ou une dégressivité. Mais attention, diriger, c'est prévoir. Si la conséquence du changement de tarification, c'est un afflux important d'enfants à la restauration, si sur le fond, moi j'y suis absolument favorable, il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et la première des choses, c'est l'accueil en toute sécurité des enfants, là où ils se trouvent, que ce soit à l'école, mais c'est aussi sur le temps de la restauration. Donc d'abord, on vérifie les conditions du possible, on crée les conditions de la possibilité, et ensuite, on regarde cette possibilité qui viendra forcément aussi gréver les finances de la commune. Donc dans un contexte particulier que je ne vous rappelle pas ici. Donc, mais mais repas foie ne signifie pas moins cher, hein, madame Milzinski, pour le repas. Et c'est pas uniquement un sandwich, c'était un repas complet et qui nous a pas été facturé moins cher effectivement donc sur cette durée. Donc on va pas refaire le débat de du 12 juin. Vous avez pas eu 400 ou 500 élèves qui ont mangé à la cantine à cette période là c'était largement entre le 15 40%. Juin et encore jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même augmenté, hein. On n'est pas aux effectifs du 25 mai, hein, oui. Aujourd'hui. Donc c'est pas anodin tout de même, mais donc voilà, on va pas refaire un amendement. Bien sûr. Enfin, en tout cas. Non. Mais bon, par la suite, lorsque vous ferez les cuisines satellites, on reverra pour une délibération. Ouais.
Il faut d'abord créer les cuisines satellites. Créer les cuisines satellites, et là, vous pourrez... Donc, voilà, c'est un travail qu'on doit mener, et on pourra en rediscuter... À ce moment-là. D'accord. Je propose de passer aux voix cette délibération. Alors, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, nous passons à délibération numéro 14, qui concerne la commission consultative des services publics locaux, hein, donc qui est cette instance qui doit être saisie lorsque la commune souhaite lorsque la déléguée un de ses services, hein, comme nous l'avons fait pour le multi-accueil, la crèche Les Pitchounes, mais ou alors pour une régie d'autonomie d'une régie ou d'un marché de partenariat. Donc forcément, cette instance doit être consultée. Et donc, il est ici de demander d'y nommer les personnes qui ne sont pas élues, donc parmi les associations communales. Et donc, je propose à l'Assemblée délibérante de nommer comme représentant des associations locales, donc représentant de l'association de l'Amicale des Anciens du Foyer du Trianon, M. Raymond Baès en qualité de titulaire et M. Michel Catelin en qualité de suppléant. Pour l'association Amicale Laïque, Mme Annie Bernard en tant que titulaire et Mme Annie Huré en tant que suppléante. Pour l'association Bien-être, Mme Jocelyne Pion en qualité de titulaire et Mme Agnès Capusta en qualité de suppléante. Pour l'association Donneur de sang bénévole, Mme Janine Sagnier en titulaire et Mme Adeline Kounaï en suppléant. Pour l'association Triatomique, Monsieur Jean-Pierre Hackett en qualité de titulaire et Madame Karine Grenon en qualité de suppléante. Pour l'association Montigny Badminton Club, Monsieur Doé en tant que titulaire et Monsieur Frédéric Olivier en tant que suppléant. Et enfin, pour l'association Karaté Club Shotokan, Madame Lucie Vanache en qualité de titulaire et Madame Rosina Chepagnac en qualité de suppléante. Y a-t-il des interventions ? Non, alors on passe aux voix. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 15 concernant le renouvellement des commissaires de la commission communale des impôts directs. Donc, la direction régionale des finances publiques nous demande de lui fournir une liste de titulaires et de suppléants dans laquelle il pourra choisir ses membres dans la commission communale des impôts directs. C'est cette commission qui se réunit une fois par an à la demande des services des finances publiques. Et donc, je vais vous soumettre la liste des titulaires que je propose et des suppléants également. Donc, je propose en titulaire M. Léonard de Cata, M. Patrick Dereux, M. Gérard Marcignac, M. Gérard Tazarek, Mme Jocelyne Pion, Mme Annie Bernard, Mme Chantal Lelon, M. Casimir Tabat, M. Georges Leroy, Mme Céline Bailleul, et en tant que suppléante, Madame Evelyne Vermersch, Monsieur Marcel Henbel, Monsieur Charles Bianchi, Madame Maria Kala, Madame Fatima Isli, Monsieur Boujema Aïtamad, Monsieur Jonathan Herbeau, Monsieur Luc Morin, Madame Myriam Benoualima, Monsieur Jean-Claude Rassouve. Y a-t-il des interventions ? Alors, nous passons aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Délibération est adoptée à l'unanimité.
nous arrivons à une délibération sur les modalités de prise en charge de déplacements effectués par les élus de la commune dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, dans le cadre de leur mission, la loi prévoit d'accorder aux élus locaux le remboursement de certaines dépenses particulières. Aussi, il est proposé d'adopter le remboursement de frais engagés par les élus liés à l'exercice de leur mandat, dans le cadre réglementaire suivant, dans le cadre des frais de déplacement courants sur le territoire de la commune, dans le cadre des frais pour se rendre à des réunions hors du territoire communal, pour des frais de séjour par exemple, pour des frais de transport ou d'autres frais qui vous sont détaillés dans cette délibération, ou pour des frais d'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission. Et notamment, par exemple, pour les missions à l'étranger, quand des délégations d'élus sont invitées dans nos villes jumelées et qui engagent parfois des frais de carburant ou de repas sur le chemin. En général, dans ces conditions-là, nous sommes accueillis sur place sans souci particulier autre. Donc voilà, il vous est demandé d'approuver cette délibération. Y a-t-il des interventions ? Non. Bon, je passe aux voix cette délibération. Alors, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, avant de passer aux questions, j'ai une information à vous transmettre concernant la mise à disposition de la coordinatrice du dispositif de réussite éducative à compter du 1er avril 2020 au CCAS. La fonction de la personne, c'est coordinateur du dispositif de réussite éducatif, donc à temps complet. Donc c'est le pilotage du PRE qui comprend la conception, l'animation, le suivi et l'évaluation des parcours qui sont repérés. L'objectif du projet, c'est que le coordinateur propose, conçoive et anime un projet d'action cohérente à destination des enfants du premier et du second degré, répondant aux objectifs et aux principes de réussite éducative, c'est-à-dire ceux qui sont repérés avec une fragilité éducative, évidemment. La durée de la mise à disposition est de 3 ans à compter du 1er avril 2020. Et la rémunération est assurée par la ville qui verse la rémunération correspondant au grade d'assistant socio-éducatif de deuxième classe, correspond à une catégorie A dans la fonction publique territoriale. Et le CCAS remboursera à la ville le montant de la rémunération de l'agent ainsi que les charges sociales ainsi référentes. En effet, c'est le CCAS qui doit porter financièrement cette charge. Voilà. Y a-t-il une intervention à ce sujet ? Il n'y a pas de délibération, hein, c'est juste une information que j'avais à vous donner. Donc, nous allons passer aux questions. Alors, j'ai reçu les questions de la part de M. Biermann, hein, qui vous êtes un peu réparti 3 questions. Donc, on va commencer par la question... numéro 1, donc Monsieur Biermann, je vous donne la parole. Okay. Oui, Monsieur le maire, nous posions une question concernant le coût du consultant externe que vous avez missionné pour travailler sur le budget de la commune, s'il vous plaît. Je vais me permettre de vous répondre, Monsieur Biermann. Je vais d'abord corriger. Le consultant externe n'a pas travaillé sur le budget de la commune seulement. Il a également participé à l'élaboration du rapport, en particulier sur les analyses financières, que ce soit rétrospectives et les éléments macroéconomiques et internationaux qui figurent dans ce dossier qui vous a été remis. Pour répondre clairement à votre question, donc le montant est de 2294,36 euros pour une redevance annuelle qui comprend l'accès à ces consultations et également à
l'ensemble de ces prestations. Et nous avons, pour être totalement transparent avec vous sur ce sujet, un montant de 1139,76 € pour ce qui concerne l'accompagnement à l'élaboration des prospectives, du travail important de prospectives qui figurent dans l'Europe. D'accord, donc un peu moins de 4 000 € finalement. 3 400 € en gros pour ce montant. Vous avez bien négocié. Parce que c'est merci, pas... monsieur Bierman. Là, je pouvais pas la laisser passer, excusez-moi. C'est bon. Monsieur Jarte. Donc je vous remercie, monsieur le maire. Les habitants de la plaine du Sept, plus précisément des immeubles, seront-ils les grands oubliés de votre mandature ? Pourtant, ils sont montignois comme vous et moi. Pour exemple, les bennes présentes sur le parking des immeubles sont susceptibles de créer des graves problèmes sanitaires. Collectées la semaine dernière, ces bennes engendrent forcément la présence de rats et un cadre de vie dégradé. Qu'avez-vous fait et que comptez-vous faire pour améliorer la situation sanitaire dans ce périmètre ? Alors, monsieur Jarte, donc votre question porte plus précisément sur les résidences du bailleur ICF Nord-Est. Et donc, peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment le quartier pour apporter cette précision. Donc la problématique de l'enlèvement des ordures ménagères de la résidence ICF est connue de la municipalité et est déjà intervenue pour faire poser cette benne parce que les containers plastiques qui étaient entreposés n'étaient pas satisfaisants dans l'usage. Et à la demande de la ville de Montigny-en-Goële, le bailleur ICF a programmé la création de points d'apport volontaires pour plus de 100 000 €. Et il s'agit de colonnes enterrées qui permettront aux résidents de bénéficier des dernières techniques en matière de collecte des ordures ménagères. Donc ce chantier en partenariat avec la CAC est programmé en 2021. Maintenant, la troisième question. Alors, monsieur Verbeek. Monsieur le maire, chers collègues, le local de l'association de pêche est régulièrement le théâtre de vandalisme. Quelle solution comptez-vous apporter à ce problématique ? Je vous remercie. Alors, monsieur Verbeek, donc le samedi 20 juin, c'est-à-dire le lendemain des faits qui se sont déroulés, Monsieur Salomé a reçu Madame Dehon, la présidente du Brochet Montigny-Nois, pour évoquer la reprise des activités de la société de pêche. Et lors de ce rendez-vous, aucun incident concernant le local de pêche n'a été évoqué. Toutefois, nous ne nions pas qu'il se soit passé quelque chose, et nous pouvons aussi plus globalement constater au sortir du déconfinement de nombreuses incivilités consistant à déposer aussi, entre autres, des détritus et autres contenants en dehors des poubelles publiques, par exemple. Le manque d'éducation de certains individus n'est pas une spécificité montigny-noise. Là aussi, l'éducation, la pédagogie, mais aussi le renforcement de la vidéoprotection et la verbalisation des contrevenants sont les réponses que je souhaite mettre en œuvre tout au long de ces 6 années pour que Montigny-en-Goële soit une ville pour tous. Question de monsieur Brabant. Merci, monsieur le maire. Donc, mise en place d'une réponse sécuritaire en début de mandat. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous constatons une nouvelle fois depuis le dernier conseil municipal du 12 juin 2020 une délinquance et des incivilités en tout genre sur la commune. Incendies d'habitations et de véhicules, vols de voitures, cambriolages, rodéos sauvages quotidiens, dégradation de locaux associatifs. La réponse doit être multiple pour être efficace, à notre sens. Augmentation de policiers municipaux, implication citoyenne et moyens technologiques à déployer. Seriez-vous d'accord pour prendre un engagement avec une date précise que vous nous donnerez pour acter à la fois le renforcement des effectifs de police municipale, selon les engagements pris dans votre campagne, de créer une brigade municipale, une présentation à la population et un déploiement du dispositif voisin vigilant, l'affectation des 14 500 € affectés à la vidéosurveillance qui reste à dépenser en 2020 sur les 145 000 € inscrits au budget primitif 2019. Je vous remercie, monsieur le maire.
Alors, Monsieur Brabant, la sécurité est une priorité de la municipalité. Et vous le savez, parce que vous avez probablement lu dans nos documents. Vous avez pu le constater en relisant soigneusement notre programme de la majorité municipale. Le renforcement des effectifs de la police municipale fait partie de nos engagements. Je prends note de votre adhésion à cet objectif. Concernant la temporalité de cette décision, il ne vous a pas échappé que la majorité s'installe officiellement et administrativement, que les commissions ont été réunies pour la première fois il y a 2 semaines, que c'est le rôle de nouveaux élus en charge de ce dossier, messieurs Salomé et Dominikiewicz, de faire des propositions à la majorité. Nul doute qu'ils partageront votre souhait d'appliquer le plus rapidement possible nos engagements et que des annonces concrètes pourront être faites avant la fin de l'année. Concernant la question des voisins vigilants, qui vous tient particulièrement à cœur, une petite précision. Aujourd'hui, le concept des voisins vigilants fait l'objet d'une exploitation commerciale par une société privée qui détient les droits sur la marque voisins vigilants. D'ailleurs, vous m'avez vous-même communiqué les tarifs. Pour ma part, et pour faire suite aux réflexions et des collègues et des vôtres également, et de M. Salomé et de M. Dominikiewicz, je suis plutôt favorable à la mise en place du dispositif de participation citoyenne, un dispositif préconisé et validé par la police nationale. Ce dispositif a pour objet de développer auprès des habitants d'un quartier, d'un espace pavillonnaire ou d'une commune, une culture de prévention de la délinquance, de favoriser le rapprochement entre les forces de sécurité de l'État, les élus locaux et la population, d'améliorer l'efficacité des interventions et l'élucidation des infractions. Nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur ce sujet. Quant aux 14 500 € de crédit disponibles pour la vidéosurveillance, ils serviront à l'installation de nouvelles caméras. Ils ne seront pas perdus. S'ils ne sont pas utilisés, ils pourront rejoindre un excédent qui sera reporté et qui n'est pas un excédent voulu, pour faire le lien à ce que je disais tout à l'heure. Par contre, par mesure élémentaire de discrétion, l'information ne sera pas divulguée aujourd'hui du lieu et de comment ce sera installé, évidemment. Voilà pour les questions. Nous avons... J'y viens, monsieur Birman. Donc là, c'était les questions. Là, nous arrivons à la motion qui nous est arrivée... hier soir, je crois. Un petit peu juste, quand même. Il faudra qu'on revoie ces questions-là. Et en Monsieur Birman, je vous laisse. Pour faire la transition, on est exactement dans la continuité de Monsieur Brabant. Bon, je vais faire vite parce qu'il est tard. Et je comprends effectivement qu'on veuille aussi rentrer après 3 heures de débat. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter la motion ci-dessous. Dans un courrier en date du 18 février 2020, Monsieur le Préfet dressait déjà un bilan en demi-teinte sur la hausse des cambriolages, des vols à la tire, des vols automobiles, des escroqueries financières et des violences physiques non crapuleuses. Derrière ce bilan, il y a des victimes. Le 13 juin dernier, Montigny-en-Gohelle a été le théâtre d'une véritable nuit d'horreur. Et clairement, nous ne faisons pas d'amalgame avec ce qui s'est passé dans les autres villes, car je suis persuadé que ça n'a rien à voir. Maisons, voitures et camping-cars sont partis en fumée dans le quartier du Dahomey. Ces actes de délinquance sont intervenus le lendemain du conseil municipal au cours duquel notre groupe avait proposé la création d'une commission de sécurité. Proposition balayée préférant la politique de l'autruche à la sécurité des habitants de Montigny-en-Gohelle. Dans la nuit du samedi 6 juin, c'est un autre véhicule qui a été la cible de ces racailles le long de la rue Malik Houssekine. Ces faits, d'une extrême gravité, rappellent les événements du 1er avril. Nuit, au cours de laquelle une infirmière a vu son véhicule brûler dans le quartier de la Plaine du Sept. En pleine crise du Covid, elle, qui a dédié sa vie à nous sauver, a vu son outil pour se rendre au travail disparaître. Alors certes, Montigny-en-Gohelle n'est pas Dijon, mais qui aurait pu dire, il y a encore un mois, que Dijon, la socialiste, pouvait devenir Sarcelles?
Les faits de délinquance se succèdent devant un immobilisme terrifiant des élus de la ville. Allons-nous continuer à laisser faire ces délinquants qui agissent en toute liberté sur notre territoire ? C'est pour ces raisons que nous proposons aujourd'hui la mise en place d'un plan de sécurité pluriannuel. Ce plan doit s'articuler autour de plusieurs grands axes forts. Un renforcement progressif des effectifs de la police municipale avec des moyens pour intervenir. Le développement de la vidéoprotection. La mise en place immédiate de réunions de quartier pour évoquer cette problématique avec les habitants. La mise en place d'un plan de lutte contre la délinquance routière et les rodéos sauvages passant par la répression. L'instauration d'une procédure de rappel à l'ordre par laquelle le maire convoque, en présence de leurs enfants, de leurs parents, les mineurs ayant commis des faits ne relevant pas des tribunaux. En votant cette commission, nous nous engageons à prendre en considération les doléances des habitants de Montigny-en-Goële, qui pour certains vivent dans la peur de tout perdre en une nuit. Cette peur, monsieur le maire, elle doit changer de camp. Merci. Alors, monsieur Biermann, je vous remercie d'avoir relu consciencieusement le programme de la majorité municipale et d'avoir repris toutes les propositions que la majorité a formulées en matière de sécurité qui seront appliquées conformément à nos engagements. Toutefois, je ne me soumettrai pas à votre opération de communication. Et comme je préfère l'original à la copie, je vous propose donc d'adopter la motion suivante. Adoption du programme municipal 2020-2026 présenté par Marcello Della Franca et la liste Montigny-en-Goële, une ville pour tous. J'en doute. Revoyez votre chronologie, j'en doute très fortement. Pas sur la méthode. C'est quoi la méthode de, pour vous mais de reprendre notre programme sur la question de la sécurité. Mais vous parlez de vidéosurveillance, je parle de vidéoprotection. Vous mélangez les deux. Donc, je vais soumettre les deux motions aux voix. Donc, nous, on l'a reçu aujourd'hui, pour l'adoption du programme municipal 2020-2026 présenté par Marcello Della Franca et la liste Montigny-en-Goële, une ville pour tous. Qui est contre ? Alors, je la refais. Je vous propose donc d'adopter la motion suivante. Et je vais passer aux voix les deux. Adoption du programme municipal 2020-2026 présenté par Marcello Della Franca et la liste Montigny-en-Goële, une ville pour tous. Qui est contre ? Oui, mais on va la faire voter aussi. On va la faire voter aussi. Alors, qui est contre ? Alors, ça fait deux fois que je la lis. Hein, donc, oui, ouais. On va la faire. Hein, on va pas, comme vous disiez, on va pas rester des heures là-dessus. Donc, adoption du programme municipal 2020-2026 présenté par Marcello Della Franca et liste Montigny-en-Goële et une ville pour tous. Qui est contre ? Donc, bon. Qui est pour ? Et qui s'abstient ? Donc, cette abstention. Donc, vote sur la motion présentée par le Monsieur Biermann du groupe Rassemblement National. Qui est pour ? Donc, 3 et donc avec deux pouvoirs, donc ça fait 5. Qui six. Qui s'abstient ? Une abstention. Donc, la seconde motion est rejetée à la majorité. Voilà, ayant épuisé l'ordre du jour, la séance du conseil municipal est clôturée.